Alors, mesdames et messieurs, on en revient après la plage musicale. On est avec un monsieur, voilà, c'est pas tout le monde qui le connaît à Abidjan, mais c'est un monument du showbiz ivoirien, voilà, en France, en Allemagne, aux États-Unis, partout. Alors, patron Dao, Dao l'agent. Voilà. Ah, mais pourquoi on t'appelle Dao l'agent? C'est parce que tu as l'argent, c'est parce que tu aimes l'argent, c'est parce que tu donnes l'argent. On ne comprend pas. Pourquoi Dao l'agent? Dans l'argent, c'est une prophétie. Voilà, dans l'argent, c'est une prophétie. Ça vient du black, du diaspora de Kumasi. D'accord. Voilà, parce qu'à la base, c'est là-bas que j'ai commencé en fait mes premiers pas de business. Voilà, donc, il y a des moments où c'était un peu difficile, tu vois, pour tout le monde comme ça. Et moi, j'arrivais toutefois à avoir une petite affaire. Tu vois, donc quand c'est chaud, moi, j'arrive toujours à À bien. créer quelque chose. Je fais sortir quelque chose. Allez, ah, mais Dao. On a un petit coin où on se mettait chez Betty à Pogou. Ah, mais d'abord, c'est chaud, c'est tout le monde. Comment t'as-tu fait? Tout j'étais. Non, c'est God. Donc, d'abord, c'est chaud, mais t'as tué l'argent. D'abord, l'argent, d'abord, l'argent, d'abord, l'argent. Comme ça, c'est parti. Donc, pour moi, c'est une prophétie qui s'accomplira grâce à Dieu. Super. Voilà. Super. Bon, de toute façon, elle est déjà accomplie parce que tu as l'argent que moi. Donc, c'est déjà accompli. Ah, ok. Ça, Bon, ça. ça maintenant, ça, c'est toi qui dis. Ça, c'est plus que moi. Alors, dans l'argent, dis-moi, tu es quelqu'un qui vit en Europe, précisément en France. Justement, ouais. Voilà. J'aimerais que de façon brève, tu nous expliques un peu comment est-ce que tu es arrivé comment est-ce que tu es arrivé en Europe. Je suis arrivé en Europe en 2010. Voilà. À un moment, là, c'est trop beau. Non, j'ai pas les Non, allons-y. Là, en Europe en 2010, c'est Désiré Kouadio qui m'a aidé à partir en Europe. D'accord. Désiré Kouadio que j'ai connu en fait par les biais de Joss Medios, voilà justement. Donc, qui par la suite, voilà, j'ai envie de dire, m'a adopté. Voilà, il m'a aimé et tout, etc. On a fait pas mal de choses ensemble. Donc, c'est comme ça, il m'a dit, bah, écoute, moi, je vais te donner ta chance aussi. Essaie de me retrouver, de me ramener une petite somme, je te dirai, je te ferai partir en Europe. Voilà. Voilà comment est-ce que Désiré Kouadio m'a fait partir en Europe. D'accord. Je suis entré en France en 2010, le 18 décembre 2010. D'accord. Voilà. C'est comme ça que je me suis retrouvé en Europe. D'accord. Alors, dis-moi, donc quand tu es arrivé en Europe, est-ce que automatiquement tu es rentré dans le showbiz ou tu as dû faire les Jossi, un temps, tout ça, un peu. Bon. Mesdames et messieurs, pour ceux qui ne savent pas, les Jossi, c'est les petits boulots, hein, les petits boulots et tout ça. Ou bien automatiquement, tu as eu quelqu'un qui t'a orienté dans le showbiz et tu as fait tes armes là-dedans. Non, le showbiz, en fait, à la base, j'ai côtoyé en fait les acteurs du showbiz à la base depuis la Côte d'Ivoire. D'accord. Voilà. Je connais pas mal de personnes ici dans le milieu showbiz. Voilà. Et ces personnes-là, je les ai connues grâce à l'uso mercenaire. Ouais. Comme Joss Medios, c'est grâce à l'uso mercenaire que je l'ai connu. Voilà. Par la suite, j'ai connu Vegazer, beaucoup de personnes que j'ai connues dans le showbiz, Fitini, etc. Florent Garagis, etc. Donc, mais en fait, c'est-à-dire, ici, en Côte d'Ivoire, je ne voulais pas en fait me lancer justement. J'avais déjà l'amour de la chose. Parce que moi-même, à la base, à l'ancienne, j'ai été, voyons comment dire, ambiance facile. Oui, bien sûr. Voilà, j'ai fait avec le Luso Messner, etc. Mais pour moi, ce n'était pas le moment propice en fait. Voilà. Donc, arrivé en Europe, comme tout le monde, j'ai fait les Jossi, j'ai fait sécurité. C'est l'enfant Couriole, voilà, que je salue même au passage. Salut, Couriole, famille. voilà. C'est l'enfant Couriole qui m'a pris. Donc, il n'y a pas papou, je viens d'arriver. Voilà. Il m'a pris, il a pris la papoule de mes bras. Donc, il fait la sécurité. Mon collègue, c'était Rambo Blekis. Ouais, à Dubaté. Le vieux père Rambo Blekis. À Dubazin. Voilà. Donc. Le seul à Dubaté qui a belle voix. Donc, c'est comme ça. Comme ça, j'ai commencé à faire les petits dossiers, comme on dit, quoi. Voilà. Et par la suite, il y a un truc qui m'a rattrapé. Après que j'avais fait 3 mois sur le territoire, justement, et je me suis retrouvé en prison. D'accord. Voilà. Je me suis retrouvé en Après 3 mois sur le territoire français, français. Ouais. Je me suis retrouvé en Ah, prison. ça a dû être difficile pour toi. Très Hein? difficile. Et tu as fait quoi? D'abord, l'agent a fait quoi et puis il s'est retrouvé en prison. Il a fait quoi? Hein? Vous ne comprenez pas. Vous allez dans le pays des gens. Vous devez rester tranquille. Vous faites les bêtises. Maintenant, tu es allé en prison. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qui s'est passé et puis tu es retrouvé en prison? Donc, on doit se faire pas. On doit savoir. Parce que toi, il y a trop de trucs sur toi. Il faut que vous disiez, Ah. tout va sortir aujourd'hui. C'est le fanfare. C'est comme ça. Voilà.
Kimeika. Non, il était cherché. Il a dit, le gars là, il est à Abidjan. Il parle jamais à la télé. Aujourd'hui, il faut qu'il le trouve. Tu es fort aussi. Ouais. Pourquoi C'est un truc qui s'est passé où ça? C'est-à-dire, c'est un truc qui date. En fait, c'est un truc qui s'est passé en Côte d'Ivoire. D'accord. Voilà. J'ai un petit dans le temps que j'ai connu aussi justement par le biais de quelqu'un d'autre qui m'a approché. Pour me dire, ouais, qu'en fait, il a ses marchandises, c'est une go grattée dans le bain. Donc, moi, dans le temps, moi, je connaissais déjà des personnes en Europe. Et là, comme il y a Saoudien, Noba Thomas, qui dormait dans le temps avec Joss Mendios, qui était ensemble à Val de Fontenay. Donc, comme ça, moi, Saoudien, il est connu aussi par le biais de Joss Mendios. Comme ça, j'appelle Joss. Je parle de l'affaire à Joss. Joss me met en contact avec Saoudien. Saoudien a déjà géré une première affaire ensemble. Donc, justement, toutes les affaires qui venaient, Joss était plus ou moins toujours au courant. Donc, je demande à Saoudien, est-ce que tu peux aller chercher les affaires du petit? C'est des télévisions, téléphone portable, tablette, etc. Que si tu réussis à les prendre, ben, tu les achemines à Abidjan. Mais il faut savoir que nous, on a la moitié des affaires. Donc, Saoudien qui part. Il part et il se fait péter. Voilà, à la base, le moment est gâté. C'est là-bas, à savoir que le petit, même, il a déjà envoyé d'abord beaucoup de personnes. Mais comme la go, elle est gendarme, elle le met en confiance. C'est-à-dire que ceux qui viennent, on les attache. Ouais. Mais quand lui parle à la go, elle dit non, tes marchandises sont là. Puis elle met ses cam. Donc lui, il envoie tout le monde à l'abattoir. Comme ça, moi, j'envoie Saoudien. Saoudien l'attache. Voilà. Il dit, ah, mais c'est pas moi. Il dit non, qu'il l'attache pour un autre truc. Moi, il rentre le bain. Quand il arrive aussi chez mes parents à Val-de-Fontenay, il dit Val-de-Fontenay, à Épinay-sur-Seine. Donc, Joss me dit, ah, il y a Courriol qui l'a aidé à avoir une maison à Romilly-sur-Seine. C'est à avoir 1h30 de Paris, tu vois. Et c'est une banlieue, c'est une province. Voilà, une province, en fait, voilà, c'est une province. Donc, comme Paris est saturé, moi, il vient d'arriver, c'est un bon petit. Allons ensemble en province. C'est là-bas que je pourrais prendre mon papa. Donc, moi, j'explique le problème à mon oncle. Il me dit, ok, si tu as confiance en lui, pars avec lui. Alors, c'est comme ça, moi, je pars avec Joss. On va à Romilly-sur-Seine. Entre-temps, Saoudien qui dort, qui est en Kaba, ses affaires sont avec Joss. Donc, Saoudien, il sort de Kaba. Mais pendant que Saoudien dormait, Joss a déjà commencé à vendre les affaires de Saoudien. Son téléphone portable, il est ramené à Abidjan. Il a même fait cadeau, tu vois, il est ramené à Abidjan et tout. Il dit, ah, mais pourquoi tu fais ces affaires? Il dit, non, c'est ce qu'il raconte à moi. Il dit, ouais, que c'est lui qui paye ma maison, que c'est lui qui fait comme ça. Il dit, ouais, mais peu importe ce qu'il dit sur toi, c'est ses affaires. Quand c'est comme ça, il sort de prison, tu dis, écoute, comme moi, tu racontes n'importe quoi sur moi, voilà tes affaires, c'est bon, va te prendre, je pense que tu as suffisamment d'affaires pour le vendre, pour te prendre une chambre ou si ce n'est pas une maison. C'est tout, c'est pas compliqué. Oh, discussion. Donc, moi, on vendre ses affaires, le gars. Même le champagne du gars qui était, comment on appelle, dans le temps, il avait personnalisé ça. Parce qu'il s'est marié avec une go, il a sa butte, le champagne. Le gars, il sort, il est présent. Il appelle un vieux père, Draman Dao. Pour qu'il parle à Joss, il a ses affaires, Joss. Ses téléphones portables, ceux qui sont dedans. Draman Dao appelle, il intervient et tout. Joss, non, comme ça, le gars n'est pas bon. Le gars lui doit de l'argent. Il a commencé à raconter beaucoup de choses. Les Saoudiens, ils se renseignent. Ils disent, ok, Dao l'argent. Et un bing. Et il est où? Avec Joss. Joss Mendios. Automatiquement, le gars, automatiquement, ça les rend ouf. Oui, oui, bien sûr. Il dit, attends, est-ce qu'à la base, ces deux-là, ils ne m'ont pas envoyé exprès dans un truc qui est niqué pour me faire l'envers derrière? Parce qu'après, il ne comprend plus rien. C'est comme ça, Saoudien, lui, il contacte le juge, parce que vu qu'il y avait une enquête qui était ouverte. Comme ça, il contacte le juge. Et dit demain là-bas. Le juge envoie des éléments, justement, les gendarmes, parce que c'est en province. Et pendant que moi je suis au taf avec Rambo Blekis, les gendarmes débarquent sur Joss, demandent après moi. Bon, ici, Jossi, il vient d'arriver, ça fait 3 mois. Mais c'est ton fils. Il te fait confiance. Ah ben, quand ton papa pour mettre ton passeport, tu gardes ça. Ouais. Comme or. Pareil, c'est ça, on va me te jeter. Et ça? Je donne mon passeport à Joss. Pareil, c'est mon vieux, il fait confiance. Les gendarmes sont arrivés chez lui le matin, ah, on est venu pour récupérer Dao l'agent parce qu'il était cité d'une affaire. Joss, en attendant, t'as bengué. Moi,
Je pense que moi, ça aurait été moi. On vient me demander comme ça après quelqu'un que j'appelle mon petit. Et je connais sa famille. C'est beaucoup de choses en fait. Mm-hmm. Moi, c'est... Non, c'était un truc de ouf, quoi, tu vois. C'était trop fort. Non, mais oui, il a dormi chez moi. Mais il est retourné à Paris. Je ne sais pas, il ne va pas dans le guébé. Et puis, ils vont fouiller la maison. Ils voient qu'effectivement, je ne suis pas là. Mm-hmm. J'ai dit non, il y a le travail à Rambo Blekis. Quelqu'un n'a pas papier. Hein. Mm-hmm. Il a le travail à Rambo Blekis. Et tu sais très bien que je travaille avec les papiers de quelqu'un. De quelqu'un. Tout. Alors que tu n'as même pas. Ça, mais. J'ai dit, je n'ai même pas. Tout, tu n'as même pas le droit de travailler, de rien du tout. Tout ça, ça complète encore tes problèmes. Voilà. Là, je travaille avec Rambo Blekis. Rambo Blekis, les gendarmes l'appellent. Je crois qu'ils l'ont appelé. Que non, qu'ils viennent de tout, sinon ils débarquent chez lui et tout. Ah, et Dao, il est où? Non, il se rapprocherait, Rambo Blekis. Mm-hmm. Non, Dao, il est. On travaille. C'est quel site? On travaille sur quel site et tout. Juste, il a communiqué mon numéro aux gendarmes. Et puis encore, il leur a donné mon document, mes documents. Ben oui, je suis dit. Il leur a remis mes documents. Sur la tête de mes enfants. Moi, je suis là, j'ai fait 24 heures pratiquement. Je travaille, j'attends Rambo Blekis, n'a qu'à venir me relayer. Il va venir grailler d'abord sur la paix. Mon sang est remonté sur le site. C'était le 5 avril. Ce monsieur, il est rancunier, la date là même. Non, c'est très rancunier. Il est très rancunier. Non, tu n'oublies pas. Et que si Ramzi m'a mal parlé de toi un 17 février, un matin, ça va sortir quelque part. Non, la date, on n'oublie pas. La date à laquelle tu tombes, 5 avril 2011. On vient me passer mon site à Germinon. Gendarme, ils arrivent. Qui est au contrôle d'identité. Moi, ils montent pas pour de mon bras droit. C'est ça, moi, ils dossient. Si tu as confiance. Il n'y a pas de là où. Et dit, bon, on t'arrête. Comme c'est des coqueries. Mais non, on est passé chez ton ami, la Joss Medios. Mais là, il m'explique maintenant. Il dit, ah, mon vieux, les gens vont arriver chez toi. Toi aussi. Tu sais que mon cul est lisse. Et pas papou. Et pas papou. Oui. Normalement, tu protèges la personne. Aïe. Ouais, ça c'est clair. Mais tu m'as là, comme la tour Caspino. Ouais. T'as donné un Kedjenou même. Ça a dépassé Kedjenou. Après, j'avais dormi, il fait 16 mois. 16 mois. 16 mois de détention. Comme Dieu ne dort pas. Je suis sorti chef cuisinier là-bas. Oui. Voilà. Toi, tu es un vrai enfant du goudron. Sauf cuisinier. Comme on dit, tu es un pays frère du goudron. Ah, c'est-à-dire, quand on te met dans une situation, tu crées quelque chose là-bas. Et on était deux dans la même situation. On était en situation irrégulière. L'autre, malheureusement, pour lui, je ne suis pas content de ce qui lui est arrivé. Parce que je sais un peu c'est quoi ce stress-là. D'être incarcéré, ne pas avoir de papier, c'est un truc de fou. Surtout après avoir fait 3 mois sur le territoire. Malheureusement pour lui, il a été expulsé. Moi, grâce à Dieu, je suis resté sur le territoire. Si, il est encore vivant, qu'il nous voit, on le salue. On le salue. Voilà. Malheureusement pour lui, il a été expulsé. Grâce à Dieu, moi, je suis resté sur le territoire. Et je sors la première personne qu'il appelle. C'est Joss Medios. On la garde de l'Est. J'ai été libéré le 7 août 2012. C'est Joss Medios. La première personne qu'il appelle, c'est Joss Medios. Je ne reconnais pas ma voix. Parce que j'ai fait 16 mois, le wesh-wesh. Non, j'ai pas obligé de t'adapter d'une manière. Non, je suis obligé même. Je parle même, tu as dit, c'est né grandi. Ouais. Et Bigo. Allô, ouais, gourou. Allô, c'est qui? C'est Dao là. Je dis, tu es où ça? C'est un nouveau de Bengue qui t'appelle. Non, mais je suis à Bengue. Le Kabako. C'est lui qui m'a accompagné, Rambo Blekis, aller au palais de la justice de Troyes pour aller récupérer mon passeport. Parce que mon passeport était pécé. Ils ont mis ça dans le lot des personnes qu'on doit expulser. Donc c'est saoulé. Je suis allé à la justice. Rambo dit non, laisse, il faut laisser ça, Rambo. De toute façon, on ne va pas jeter là. C'est que pour moi, Bengue. Ouais. Je suis allé, Rambo. Hey, Joss, on a été là-bas. Hey, Joss, allez prendre mon passeport. Sortez ça. Super. On va revenir sur tout ça. On va revenir. Mais le monsieur, il a une histoire. Il a une histoire. Petit à petit, vous allez comprendre de qui il s'agit. Alors, Dao, dis-moi, on parle de toi en tant que quelqu'un qui fait
Je t'ai dit, on va revenir sur certaines choses. Il y a trop de questions pour toi. Mais pour l'instant, oui, pour l'instant, moi, je veux savoir. On dit que tu es quelqu'un qui fait beaucoup dans le milieu de la musique ivoirienne, au niveau de la France, de l'Europe et tout ça. Voilà, que tu as eu à organiser des spectacles pour des grands artistes ivoiriens. Tu as même fait partie beaucoup d'artistes. Est-ce que tu peux un peu expliquer cela? Est-ce que tu peux un peu expliquer comment est-ce que tu fonctionnes? Comment est-ce que le mouvement se passe? À ton niveau, en fait. Bon, à mon niveau, d'abord, c'est bon, ça, j'ai eu à le faire. Sans mentir, c'est quand je travaillais, quand j'étais associé, en fait, dans le temps, on va dire, à Just Majors. Mm-hmm. Voilà. Donc, on a fait venir pour la première fois déborder le Koufa. D'accord. Tour de Gaz. Ça, c'était en quelle année? C'était en 2004. 2014. 2014, d'accord. Voilà, 2014, 2015 par là. Voilà, voilà, voilà. Non, c'est 2014. D'accord. C'est bon numéro, ouais. 2014 par là. 2014 par là. Flora String, etc. et tout. Voilà, on a fait un premier concert d'abord avec Petit Denis, justement. Voilà, c'est là, c'est l'une dans les lignes qui m'a conseillé. Je le salue. Au passage. L'une dans les lignes. La sœur de l'INSEE. Salut au passage. Voilà, donc c'est comme ça, et comment on dit en fait. Elle m'a conseillé de prendre Petit Denis, parce que c'était carrément aux oubliettes. Voilà, et Sandia Chouchou avec Annick, malheureusement, qui n'ont pas eu de visa. Ok, il n'y a pas de souci. Donc c'est comme ça avec Joss, on essaie de parler un peu. Et puis ben, on fait venir Petit Denis avec des Bordeaux, etc. Le premier conseil n'est pas trop une réussite. D'accord. Voilà. Donc il y a Patapapara. Le photographe, voilà. Célèbre photographe. Papara, grand photographe, son état. Salut Patapapara. Avec El Pipi Matador Demba Pêcheur, à qui je passe le salam comme ça en passant. Voilà. Qui m'ont conseillé. Ils m'ont dit, ah Dao, Petit Denis, c'est quelqu'un qui a une histoire. Donc, nous, franchement, on souhaiterait que tu fasses un conseil, Petit Denis Lucille. Tu m'appelles Lili. Là, c'est comme ça. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. Et ensemble, on trouve, comme on dit le login, tu vois, la renaissance de Petit Denis. Et on fait le concert en 2015. C'est un truc de malade. On a dû appeler les maçons pour se mettre à côté. Parce que le mur commençait à se casser. Ouais. Donc quand le mur là, c'est fichu qu'on a, les maçons, ils mettent un peu de ciment en même temps. C'est un truc de malade. Le concert, une réussite totale. Ah ouais, franchement, c'est un truc de ouf. Faut le conseil, machin, Petit Denis. Et là, par la suite, on fait venir Andy Labotte, non. Bon, après ça aussi, on a eu à faire venir Molière, avec qui j'ai tourné, qu'on appelle DJ Venom. Ouais, un artiste aussi très humble. Ouais, bon chanteur, Venom. Comme les autres, en fait. Voilà. Venom. Après ça, il y a qui encore? Et après ça, en fait, on a eu encore à faire un deuxième concert. Petit Denis. J'ai dit on parce qu'en ce moment, je travaille avec Joss. D'accord. Voilà. Sinon, à la base, c'est moi qui finançais, qui finançais tout. Voilà. Donc, on a fait le dernier concert de Petit Denis, on va dire, en 2016, si j'ai bonne mémoire. On a fait au Moulin Bassé. On a fait au Moulin Bassé, machin et tout. Après ça, c'est après ça que ça commence à partir en couille. D'accord. En Joss et moi. D'accord. Voilà. Ça, tu vas nous expliquer ça tout à l'heure. Voilà. Nous, on a appris. On a appris et puis le fafa, c'est la vérité. Aujourd'hui, la vérité doit sortir aujourd'hui. D'accord. D'accord. On a appris que toi et Joss Majors, vous êtes des associés dans Joss Majors Productions. Bon, moi, je ne comprends pas. Tu es associé avec quelqu'un, tu dis que c'est toi qui finançais tout. Mais comment ça se fait que c'est son nom qui est sur la maison de production? Parce que tu ne peux pas être le financeur et puis Joss Majors, ça sera Joss Majors Production, alors que c'est toi qui es derrière, que c'est toi qui es le financier, c'est toi qui injecte les sous, c'est toi qui, voilà, qui fait sortir tout ce qu'il a fait sortir. Très belle question. Très belle question. Très très belle question. En fait, j'ai laissé Joss Majors seul apparaître sur le nom de la structure. Pour moi, c'était en fait en guise de reconnaissance, si tu veux. Voilà. Parce que je n'ai pas manqué de dire au début de l'émission que je suis venu en France par le biais de Joss Majors.
C'est lui qui m'a présenté à Désir Kwadjo. Voilà. Et les choses qui se sont passées, ma prison, etc. et tout, moi j'ai pardonné, j'ai oublié. D'accord. Voilà. Mais je reconnais toujours que c'est lui qui m'a présenté à Désir. Et Désir t'a fait venir. Désir m'a fait venir en France. Donc, on crée la société d'abord comment? Parce qu'on était d'abord avec Shura, ex-membre d'Espoir 2000, que je salue, Shogbrou, qui crée sa structure, qui a une licence. Il m'appelle moi, il appelle Vino. Vino, ex-membre du groupe Les Patrons. Voilà, Vino l'ambassadeur, ex-membre du groupe Les Patrons. Il m'appelle moi, il appelle Vino, il appelle Joss, en tant que notre devancier, notre grand frère. Là, j'ai une licence, venez, on va travailler. Voilà comment on commence. Joss va réussir à nous diviser des Shura. Donc il commence à manger avec Shura Sul. Donc après Shura et Joss, c'est devenu comme la Tchétchénie. Ok. Bon, moi je ne cherche pas à comprendre beaucoup de choses. D'accord. Voilà, parce que vu qu'à la base, moi j'ai pour les Shura, tu vois, au début quand elle a eu sa licence, etc. Vino aussi en a fait pareil, tu vois. Donc quand c'est devenu la Tchétchénie, Joss a commencé à nous pomper. Moi, il a commencé à me pomper moi, il a commencé à me pomper Vino contre Shura. Tu vois? Voilà. Donc, moi-même, je cherche plus à cause avec Shura. Parce que je me dis non, qu'il n'a pas été loyal. Tu vois? Donc, moi, je suis avec Joss. C'est comme ça, j'ai dit, oh, écoute, il y a Malmo qui appelle Joss. Ah! C'est un mouvement de licence. Tu vois? Joss m'appelle, il ne me fait pas de ça. Il dit, ok, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai investi. Il n'y a pas de problème. Mais on fait comment pour le nom? Il dit non. Pour le nom, ah, on met Dao l'argent et Joss Mendes. Il dit non. Ça fait 20 ans que tu es dans le milieu, mais c'est pas 100 ans que tu es dans le milieu. Tu n'as pas une structure à toi seul, ça fait trop inconscient. Pour moi, ça fait trop inconscient. Donc, en tant qu'un bon petit, je t'ai grandi. Et puis, surtout que non, on vient d'avoir un discours Shura, il a fait des licences. Et parce que Shura nous a rendu un peu plat. Dans moi, était grandi. On va mettre ça à titre personnel. On va faire Joss Mendes production. Toi seul. Parce que Joss Mendes, Dao l'agent, c'est. Tu vois, on sent qu'il y a Joss Mendes production. Et c'est Malmo qui était intermédiaire. Malmo l'artiste. Ouais, le chanteur Malmo. Voilà, ouais, chanteur des Zouglou. Ouais. Voilà. Malmo était intermédiaire et tout. Donc à chaque fois, Malmo venait prendre les sous. Il venait prendre les sous. Ce que je dis là, vous pouvez demander à Malmo à faire. Il venait prendre les sous avec moi. Par la grâce de Dieu, avec toutes tes prières, la licence a été accordée. Joss lui-même qui a appelé maintenant les gens de Paris. Il a dit, ah, merci, dites merci à mon petit Dao là. Parce qu'il a investi dans un mouvement pour donner notre licence. Il m'a rendu grand. Voilà comment j'ai commencé à côtoyer les acteurs du showbiz, la diaspora. D'accord. Parce que c'est à la suite de cette licence-là qu'on a fait le premier concert avec Petit Denis, Debordeur Lukoufa. Par la suite encore, on a fait venir Molière, DJ Venom, après le dernier concert de Petit Denis, ensuite de suite. Non, moi j'ai confiance à Joss. Voilà. Quand on finit le premier concert d'abord de Denis, où ça cartonnait de ouf, Denis me propose comme ça, avec sa femme Mariam. Que, ah, vraiment, Daola. Comme tu t'es souvenu de moi, moi je souhaite que non, tu produises mon prochain album. Et ton prochain album, c'est quoi? Et il commence à chanter l'album devant moi. Moi, lui, était là, mon discours là, c'est quoi, moi? Et lui, ok. Moi, je ne fais pas de ça à mon associé qui est Joss Mendes. Et ensuite, on verra la suite. Donc, j'appelle Joss, il dit, ah, non, Denis est tellement content de ce qui s'est passé. Parce que quand il est arrivé, il avait peur avec ce qui se passe. Tu vois, c'est tout ce qu'il a, il doutait. Mais il a cassé la baraque. Donc il dit, ah voilà le cadeau qui m'a été fait Dao là. Ah il sait que c'est moi ici, comment on dit, c'est dans Boubou là. Moi je l'ai pas tiens. Voilà, c'est dans Boubou là. Tu vois, mais là, voilà. Non, voilà comment Denis, dit là que il va me donner le mouvement. Moi il parle de ça à Joss. Dis que c'est plus que vous travaillez ensemble. Voilà, Joss t'as fait quoi petit drogué là? Lui c'est un inconscient machin. C'est Joss qui dit ça de petit délire. Oui, tu as fait quoi lui? Il y a un inconscient, quelqu'un qui n'a même pas sa tête sur ses épaules, tu as fait quoi lui? Lui, là, pour l'appeler pour faire tant, ça sera compliqué, laisse-le. Il a dit, parce que tu n'en parleras. Non, il te dit, il ne faut pas te casser la tête pour lui. En ce moment, Joss, c'est pas déjà bien. Il dit, ok, il n'y a pas de la faute. Moi, je suis chez Petit Denis pour aller jouer au Soukala, au Mans.
au moins, voilà, dans un bar, en fait, voilà, je ne dirais pas de nom. Mm-hmm. On va jouer au moins. Mais chez Petit Denis, me dit non qu'il est chez Freddy, à ce bar. Mais qu'est-ce qu'il fout là? Parce que normalement, moi, je l'ai fait venir. Donc, s'il y a les petits oui, il peut me brosser ça vite fait. Mm-hmm. Ok, on y arrive à le chercher. On était à Hippocaper. À Hippocaper, Mathis aussi. Avec Mariam, mm-hmm. toujours. Donc, je vais les retrouver là-bas. Je les récupère. Après, le monde dans la voiture. J'avais une coupe cabriolet grise dans le temps. Puis Mariam, même, le petit Denis, a acheté avec moi. Elle est venue à Sabidjan. Hein. Mm-hmm. Moi, dans la voiture, Denis me dit ah, moi, là, on a commencé hier. Je dis mais, mon jeton. Il dit, mais tu parles de quel jeton? Il dit, non, mon jeton, que vous avez dit que moi, si je gère avec Blaise de Seul, si je finis les 12 titres, vous allez me donner tout mon jeton. Vous m'avez donné une avance. J'ai bouclé, donnez-moi le bras, tout mon jeton. Il dit, mais je ne me parle de quoi? Il commence à s'énerver, ça part en couille de la voiture et tout. Après, je commence à comprendre qu'il est sérieux. Mm-hmm. Tu vois, Mariam, il parle, Hippocaper parle. Il dit, mais il parle de quoi? Je comprends rien. Il dit, comment t'en peux croire? Il dit, je comprends rien. Il me dit, je suis associé. Il dit, oui, mais ce que tu me dis là, si je parle, je comprends quelque chose. Comme ça, il dit, non, appelons Joss, mon Joss. L'habitant m'appelle. Allô, ouais. Hippo, tu l'appelles. Non, mais Joss. Là, il parle de téléphone à Denis. Denis, mais Joss. Dans son association, non, il dit, mais dans le cas par là, Blaise du Sud, va me donner le reste de mon argent. Blaise du Sud, le producteur de Singula et tout, etc. Mm-hmm. En fait, Joss m'a découragé. Il est passé derrière moi, tout en faisant croire à Denis que lui au moins, que moi je suis au courant. Mm-hmm. Et il allait proposer l'album à Blaise du Sud. Il a vendu l'album à Blaise du Sud. Voilà comment Blaise du Sud a produit le dernier petit Denis. C'est là maintenant moi je veux savoir. Et Joss qui dit non, que en fait, ça n'a rien à voir avec Joss Mendes Production, qu'il doit faire ça à titre personnel. J'ai dit, mais il a craqué de string celui-là. Je commence à me foutre. On lui dit, bon, c'est parti en coup au téléphone. Non, Dao, aussi, il vient t'expliquer. Moi, je suis tombé en transe. Mm-hmm. La Mariam aussi qui m'explique un autre truc. Elle dit, ah, mais le vieux, on est parti au Maroc, on allait jouer à Denis. Il n'y a rien de souci de pied. Mais vous avez votre argent dans votre poche, au moins plus de 3500 quelque chose. Et puis Joss me fait payer lui son billet. Le vieux, c'est pas comme ça. Il dit, mais moi, je suis au courant de rien. Joss m'a dit que Fabio Gesta avait donné l'argent à Denis. Mm-hmm. Et que Denis a bouffé l'argent. Mm-hmm. Il n'a pas honoré. Donc lui, comme il a vu que Joss est. Comme il a vu que Denis est avec nous aussi, donc il a contacté Joss. Parce que mon Fabio Gesta, je ne le connais pas en tant que tel. Mm-hmm. Donc il a contacté Joss. Et Joss, moi c'est mon vieux, non, c'est qui me dit, j'ai forcément accepté. Mm-hmm. Et c'est comme ça, Joss dit, bon ok, je te ramène petit Denis. Mais Joss, vous allez prendre les travaillements, sinon l'argent du cachet, Denis a déjà bouffé. Voilà ce que moi Joss m'explique. Et pourquoi moi j'accepte que Joss parte au Maroc avec Denis pour jouer. Elle dit, non, c'est pas ça. Denis même me dit, non, que c'est pas ça. Que c'est deux dates. Joss a augmenté le cachet. Et puis, il a fait croire que c'est... Avec les travaillements et tout, qu'elles ont fini de convertir les dirhams et tout, il y a un problème de biais. Et Joss fait qu'elle paye. C'est lui son biais. Alors qu'il avait l'argent. Attends, il y a l'argent. Et moi, pour moi, ici, pour moi, il n'y a pas de cachet à prendre. Mm-hmm. Et quand je lui ai demandé, mais non, il n'y a pas de travaillement, tu connais, non, Marocain, non. Moi, Marocain, ça remplit barrique, mais quand tu finis de convertir, c'est combien? C'est 100 euros, 150 euros. Parce que c'est quelqu'un qui. Il est fort, Joss, quand il commence à penser pas bon. Oui, il est très fort. Ah oui, c'est ça, c'est. Il est très fort, manipulateur de ouf. Il y a une septième dame, il est très fort. Ah oui, très fort dans ça. Donc moi, voilà, je prends l'appel. Il y a un autre moment qui m'a brillé encore. Mm-hmm. Ça commence à me rendre ouf. Après, il rentre d'Abidjan, l'appel à Hippocaper, c'est le tour chez la maison, après 1h du matin, 2h du matin. Bang, bang. Quand il est rentré d'Abidjan, ah oui. Bang bang! Bang bang, ça veut dire. Il lui a fait les histoires. Hein. Voilà, ouais. Lui et moi, on s'est pris la tête grave. Il a reconnu. Qu'il n'a pas assuré. Mais il ne reconnaît pas. La marmaille qui est en bas. La marmaille qui est en bas. Mais il reconnaît qu'il n'a pas assuré. Il aurait dû m'aviser. Mm-hmm. Mais
Baka il a fait un bas là, il ne reconnaît pas ça. Donc il dit, bon, moi je suis plus près. Moi, Hypocap qui m'appelle, Mariam même, Denis aussi, le vieux, ses frères, laisse tomber, pardon. On vous a connu ensemble. Tu vois, pardon, on ne veut pas que ça soit, il a fait une faute. Nous, on t'a dit la vérité, dame. Non, il laisse tomber. On continue. C'est comme ça, on fait venir Denis, on fait le dernier concert de Denis. On le fait moulin bassé, machin, etc. Et tout. Oui. On essaie de sécuriser un peu le truc, machin, ne pas qu'il y ait de fuite. On fait le deuxième concert de Denis avec tout le monde, tout, etc. Le concert, ça a été Hamdoullah. Mm-hmm. À la fin, il y a un mouvement de jetons qui s'est passé qui n'est pas trop clair. Ah bon, pour nous expliquer un peu. Non, il y a un mouvement de jetons qui s'est passé qui n'est pas trop clair. Lui, avec son neveu qu'on appelle Brispadou, qui s'est plaint même, que lui, il ne comprend pas comment ça se passe. Et lui, quand il partait, qu'on a fait le point, son neveu, hein, mm-hmm. qu'on a fait le point, quand il partait, il y avait une certaine somme qui était restée à Joss. Maintenant, lui, il ne comprend pas comment, à la fin, on fait le point, et Joss déclare telle somme. Lui, il ne comprend pas. Tu vois? Bon. Moi aussi, j'étais tellement dans beaucoup de choses. Mm-hmm. Voilà. Je dis, ok, parce que la base, c'est Joss et sa femme qui était à la caisse, machin et tout. Mm-hmm. Ok. Moi, mon oncle était côté boisson, et sa femme était côté VIP, tu vois. Donc après, ça envoie des discussions après et tout. Et lui, il dit, écoute, laisse tomber. Ce qui s'est passé, c'est passé, tu vois. Tu vois, s'est rappelé que non, pourquoi nous, on vient accuser sa femme. Et lui, machin, il n'a rien à voir dedans. Ce qui s'est passé, c'est passé. Mais c'est tombé. À la suite, maintenant, il y a Andy la boîte noire. Mm-hmm. La deuxième fois aussi, il a fait venir aussi. Qu'on appelait Andy Maribel avant. Voilà, mm-hmm. Andy la boîte noire, il a fait venir aussi la deuxième fois. On dit qu'il commence à m'expliquer certaines choses. Au premier concert de Denis, quand il est venu, parce qu'il n'était pas encore connu justement sur en fait, c'est-à-dire en France, mm-hmm. sur le plan européen, on va dire, tu vois. Mm-hmm. Donc, quand ça m'a expliqué, parce qu'on a calé des dates pour lui qui ne voulait pas jouer. Il trouvait que non, les cachets étaient trop peu, machin, etc. Et tout, tu vois. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Après, maintenant, il m'a expliqué, il m'a dit, non, t'es le vieux. Moi, il est parti pour revenir. Il dit, ah oui, il n'y a pas de Yafoui. Donc, lui, on a parlé, on s'est entendu tranquillement. Il dit, Yafoui, il n'y a pas de drap. Il n'est pas plus safe. Rien. Il dit, écoute, moi, tu es un petit frère, il n'y a pas de drap. Je vais te chercher, il n'y a pas de problème. Mais il faut nourrir certaines choses, ne pas que demain, mm-hmm. moi, ça, voilà quoi, mm-hmm. ça nique leur structure. Mm-hmm. Il a nourri, bien, tranquille. Il est revenu tranquillement, sans problème. Maintenant, il va commencer à me faire des confidences. Mm-hmm. Ah, tu peux demander à Ange Baka. Sinon, quand je suis venu en 2015, pour le premier titre de Petit Denis, Joss avait demandé je crois, un certain pourcentage ici, les cachets et les travaillements. Parce que 30%, même combien de pourcents, on a tout honoré. Dit, ah bon? Et toi, tu n'es même pas au courant. Moi, je suis pas de rien. C'est-à-dire, moi, j'ai pardonné la première couille qu'il a fait avec mm-hmm. et il allait faire que Petit Denis s'est fait produit par. Mm-hmm. J'ai pardonné ça. Ah bon? Je suis pas de rien. Après, il y a certains trucs qui sont sortis avec des Bordeaux. Mm-hmm. Ah bon? Il y a beaucoup de choses qui ont commencé à sortir en fait. Beaucoup de trucs. C'est-à-dire, je te parle d'une arnaque de. Si je peux qualifier ça comme ça, quoi. C'est-à-dire, une arnaque. C'est-à-dire, il m'a. En fait, il m'a. Une entourloupe. C'est-à-dire, il m'a fait comme il est là. Non, laisse le loup là même. Il a fait comme il est là, mon visage, voilà en haut. Alors qu'on a dans mon lave, vous dites. Voilà. Je te parle d'un truc de moins. Combien de mille. C'est-à-dire, laisse tomber. C'est-à-dire, quand j'essaie d'évaluer. C'est des milliers d'euros. C'est plus que ça. C'est plus que ça. On va aller peut-être dans 20 000, dans 25 000 euros. 30 000 euros, c'est plus que ça. Il était tellement dégoûté. Mm-hmm. Parce que donc, depuis on est ensemble, lui, il met Froto dans mes yeux. Mm-hmm. Il n'y a pas donné Froto là maintenant, la piment. Là. Mm-hmm. Ça dit, il allait mettre Djaba, c'est-à-dire oignon. Mm-hmm. Donc, on dit Froto, mm-hmm. on dit Djaba. Mm-hmm. Oignon, même quand tu coupes, même vert. Mm-hmm. Ouais, mais il a mis les deux. Mais dans mes yeux maintenant. Ouais. Il dit, non, attends, il va me dire. On me l'appelle. Et dis mon vieux, voilà, je suis au courant du temps, je suis au courant du temps, je suis au courant du temps, je suis au courant du temps. Non, faut pas écouter les gens. Ils viennent maintenant pas là, dans Hollande. Et dis, écoute, tu sais ce qu'on va faire, déjà ça l'écoute. Bah, j'appelle un, je mets sur le chorus. Le gars commence à parler. Il est là, il dit, Dieu, écoute, non, oui. Je n'ai pas. Il dit, ouais, tu dis quoi? Ouais, c'est vrai, c'est qu'il a dit. Ouais, c'est comme ça, machin. Il dit, écoute, tu sais quoi? On va pas tous s'emmerder, tu vois. Moi, je bosse plus avec toi. On a qu'à rester vieux père, petit. Si les gens te demandent, tu dis non, le petit, en fait, il a envie de faire autre chose. Ou soit qu'il veut monter sa propre structure. Point.
rentre pas dans les trucs bizarres avec moi. Parce que... mais nous, c'est pas ce qu'on nous a dit. Nous, on nous a dit que Joss Mendoz, voilà, c'était lui qui était le boss de la structure, c'est lui qui t'a renvoyé de la structure parce que, voilà, tu n'étais pas comme lui voulait, qu'il t'a renvoyé. Il a même dit, oh, il a, à Paris, même les gens parlaient de ça, que Joss t'a renvoyé, que tu n'es pas un bon collaborateur et tout ça. Donc, il faut éclairer notre lanterne. Non. Non, à Paris, on ne peut pas parler de ça parce que à Paris, tout le monde sait. Que ce soit Cabamillon, que ce soit Maïs Premier, Maïs Paré, que ce soit Lina Lénice, à Paris, tout le monde sait. Tout le monde sait à Paris. Tout le monde sait quoi? Tout le monde sait que Joss Mendoz est le bon. C'est Daoula, Gamba, qui finance. Donc c'est Abidjan. Comme ici, là, quand il vient ici, là. Moi, il sait comme ça. Avant, quand il venait, moi, il voit mon vieux là, il dit que c'est le lasso. Donc tout ce qu'il me dit là, moi, mon ouvrier arrive. Quand ma maison me la conseille, même que mon papa me donne pas son âme, moi ça rentre pas dans ma tête, c'est Joss là qui rentre dans ma tête. Il est calé dans ma tête, il n'y a plus de place. Mais arrivé sur le terrain, il est vu, il est Joss Mendoz. C'est le plus grave en tête du monde. Ah bon? Joss Mendoz, c'est Joss Mendoz qu'on parle, le grand, le gourou, le grand Joss Mendoz. Joss Mendoz, si on met détecteur de mensonge là, ça c'est exposé. C'est le plus grand menteur du monde entier. Je dis ce qui. En fait, je vais bien me placer. Assieds-toi bien. Je dis la vérité. C'est pas le truc. Comme le disent les jeunes Gouabidjan, après j'ai déposé mon tabouret. Ah, c'est le plus grand menteur du monde. Ça paraît que moi. Donc, à Paris, les gens ne peuvent pas. Non, les gens, ils savent déjà. Parce que c'est comme ça que moi, les gens m'ont connu dans le milieu du showbiz à Paris. Ils m'ont vu un coup. Comme par hasard, Joss Mendoz sa structure. Et comme par hasard, c'est moi qui appelais tous les gars pour travailler avec eux. Le dernier conseil est Petit Denis, par exemple. Le premier conseil est Cabamillon, pas travaillé avec eux. Le dernier conseil, j'ai appelé Cabamillon. Il m'a dit, ah, ton vieux père à moi, il me prend pour son ennemi. Il me dit, c'est pas Joss Cabamillon, tu sais. Si c'est pour Joss là, est-ce qu'il va voir que moi, j'appelle ses soi-disant ennemis pour travailler avec moi? Jamais! Il va me donner une feuille de route. Bien sûr. Et il doit suivre. Bien sûr. Il va me dire. Bah, puisque ça dit que le boss. Mais moi, il a appelé Cabamillon. Joss ne parle pas de Cabamillon jusqu'à aujourd'hui. Ah bon? Bah oui. J'ai appelé Cabamillon. J'ai même appelé Serge Kama. J'ai appelé Cabamillon Serge Kama. Et comme on appelle Jean-Jacques. Washington, il ne veut pas que je travaille avec lui. Et Nina Lenny, c'est toujours. Malgré tout ce qu'il a fait à cette dame-là, mais elle, c'est quelqu'un qui ne peut plus rester son coin. Nina Lenny, j'ai appelé des gars avec qui ça ne connaît pas. Qui travaille avec moi? On a travaillé, quand le conseil est fini, chacun a eu son dû. Mais pourquoi tu as payé les gens qui ne parlaient pas? C'était de la provocation. C'est pas de la provocation. L'associé ne parle pas les gars. Toi, tu les appelles pour travailler. Non, mais justement, c'est pour revenir à ta question. Parce que, comme on dit que c'est lui le boss. Ah, d'accord. Voilà, quand tu es boss là, ton petit là, lui, il ne peut pas faire ce que tu as dit. Pas parce que tu ne peux pas. Voilà. Justement, non, c'est peut-être que la dernière savait ça. C'est Abidjan ici là. Quand il vient ici là, il dit aux gens que lui, il est comme si le coutume. À Paris, il est comme. Il est rien. À Paris, ticket de métro même est bon. Le Joss. Oh! Il m'a dit, tu n'es pas prêt pour lui. Je dis ce qui est. Tu sais, dans la vie, on dit, il vaut mieux prévenir que guérir. Il faut dire la vérité. Pour ne pas que d'autres personnes tombent dans ces margouilles, dans ces trucs. Parce qu'il est très fort. Dedans. Non, moi, c'est la vérité, il dit. Tu n'es pas prêt pour lui, quoi que ce soit, c'est la vérité, il dit. Mais moi, je veux savoir un truc. Je veux savoir, je sais que tu vas m'expliquer beaucoup de choses, mais je veux savoir un truc. C'est vrai qu'avec Joss, tu dis que Joss a fait des choses et tout ça, mais je constate qu'il y a eu une certaine animosité entre toi et lui. Parce que moi, la dernière fois qu'on a fait l'émission Fafa avec lui, bon, moi j'ai omis en fait de parler de votre. J'ai omis de parler de ça avec lui, voilà, mais je sens que lui aussi. Il parle très mal de toi un peu partout où il passe. Et toi aussi, c'est le cas. Bon, toi, tu dis que tu préviens les gens. Parce que tu ne voudrais pas que ces personnes-là se fassent avoir par Joss Mendoz. Mais d'où est venue cette animosité qui est en vous? Comme vous êtes comme des ennemis jurés. Ce n'est pas une question d'animosité. C'est-à-dire, Joss a fait ressortir en lui sa mauvaise foi. Tu sais, il y a des comportements qui sont innés chez l'homme. Tu comprends un peu, non? Voilà. Comme on dit, chasse le naturel. Il revient au galop. Il revient au galop. Voilà. Joss, pour lui, là, c'est comme huile, la sauce graine.
Tu sais que c'est quand il la monte de, en haut du sol, tu sais que le sol gagne avec lui, non? C'est comme ça. Il a dit, là, là, il a commencé à me montrer maintenant. Ça fait la tue. Sinon, moi, il ne voit pas de problème. Il veut te rappeler à toi. Parce que tu me marras. Ah, c'est ça le problème. C'est pas le problème. C'est pas le problème. Mais encore, j'ai cru que non, Joss allait s'arrêter à moi. Il allait avoir pitié, si tu veux. J'appelle ça comme ça. Parce que lui et moi, vraiment, c'était fort. L'amour, c'était. Non, là, c'est un truc de ouf. Donc, je me suis dit, non, il va se rappeler de ce que. Tout ce que vous avez vécu ensemble. Voilà. Et de tout que j'ai pardonné. Mm-hmm. 16 mois de détention. Mm-hmm. Joss m'a pas envoyé 5 francs. Babloukoum, fausse pièce cassée. Joss m'a pas envoyé. Joss connaît mes parents. Il n'est pas parti chez mes parents. Joss allait déposer le peu d'affaires qu'il y avait chez mes parents. Joss n'a jamais donné Babloukoum à mon nom. Pour dire, non, okay, envoie Daolan là-bas. Non. Qu'est-ce que Joss n'a pas dit derrière moi qu'il est sorti? L'Uso m'a appelé. Ah, mais Joss a dit ça de toi. Il a appelé. Non, j'ai jamais parlé ça à l'Uso. Et l'Uso, laisse tomber. Beaucoup de personnes qui ont parlé, moi j'ai laissé. Joss pour se souvenir de tout ça là. Et son petit frère. Dans la vie, quand tu es orgueilleux, là, il y a des choses qui t'arrivent où tu ne comprends pas. Ça dépasse toi-même ton entendement. Là, ça fait ça tour de personnes. Moi, ici à Paris, tout le monde se plaint de Joss. Moi, non, il me jalouse. Parce que c'est moi le coup de moi. À Paris, il n'est pas bon, non. Non, Joss n'est pas. Joss rentre dans la famille des gens et puis il gâte. Il te dit, il n'est pas bon, non. Serge Benoît est séropositif. C'est Joss Majors qui a envoyé ça. Ah bon? Il a dit que Serge Benoît est séropositif. Oui, mais c'est lui qui a envoyé ça. Mais c'est pas plutôt de Guillaume Verges qui s'agissait. Non, ou... non, non, il a commencé par Serge Benoît d'abord. Mm-hmm. Et ça, dans le temps, nous a dit ça, nous tous. Que Serge Benoît, une fois il était avec lui, le téléphone de Benoît était avec lui. David Mosso lui a envoyé un message, il a regardé le message, parce que comme Beno dans le temps, c'est son petit, Beno, il aimait bien Joss, avant que nous, on ne parte à Paris. Et il a pris le message, il a vu, David Mosso a dit comme ça dans le message, que ouais, mon bébé, tu me manques, et j'aimerais que toi et moi, on se revoit encore pour faire l'amour, parce que ça me manque. C'est Joss qui a dit ça. À tout le monde. Ceux qui vont regarder ça là, ceux qui vont regarder ça là, ils savent que ce que j'ai dit là. C'est vrai. Voilà comment Joss a donc commencé. Joss, mais Joss. Donc Serge Benoît, mon frère Serge Benoît, mon frère que j'aime beaucoup. Dao l'agent dit, c'est Joss. C'est pas Arafat qui a commencé cette histoire de t'accuser d'homosexuel. Que c'est Joss, mais Joss qui a commencé. C'est ça, non? C'est Joss qui a dit ça à tout le monde. C'est le Fafa. La oui, c'est Joss qui a dit ça à tout le monde parce que lui est Arafat, lui est Benoît, avec Doudou Sticker. Ils sont pas tombés d'accord si un mouvement de... C'est un moment de Benoît en Suisse qui n'a rien à voir. Mais lui, comme lui, c'est lui le grand bas. Lui veut maïmant partout. Non. Non. Voilà comment Joss a repris sa veste. La première salut. Il y a eu un petit contrat de spectacle entre comment il s'appelle Doudou Sticker. Il n'y a pas de contrat même. Voilà. Entre Doudou Sticker et Serge Benoît. Joss, t'as jamais été. Oh. Dans le temps quand Joss fait venir, qu'on appelle Serge Benoît et tout. Il y a plein d'artistes qui sont venus, Francky DiCaprio et tout. Mm-hmm. Voilà, comme ça, tu les accompagnes et tout. Benoît, il a mis ta gamme parce que tu vois, les gens dans son télé, Joss, non. Mais après, il s'est rendu compte qu'il s'y est puri. Il dit, ticket de métro, mais que lui, il s'est zéro même. Benoît l'a lâché. Il n'y a pas un contrat entre eux. Même un contrat moral, c'est un contrat. Il n'y a pas de contrat entre eux. Et lui veut imposer un mangement. Voilà comment dit ce qu'il a dit. Non, moi, je suis désolé, ça ne peut pas se passer comme ça. Benoît aussi a essayé de. Voilà comment il a sali Benoît. Voilà comment Joss a salué Benoît. Affaire de Benoît là, c'est pas Joss, mais Joss a commencé. Donc j'allais à Paris, il a dit à tout le monde là-bas que Serge Benoît est homosexuel. J'ai dit, qu'il Abidjan, a vu un message. Abidjan, comme Paris, à tout le monde. Abidjan comme Paris, à tout le monde. Moi je me rappelle dans les temps, il m'a dit que même Eric Patron. Je m'excuse, mais je dis la vérité. Dans le temps, il m'a dit qu'Eric Patron sortait avec... Papa Jean Bosco. Le fameux Papa Jean Bosco. C'est Joss qui m'a dit ça. Moi, il m'a pas. Et c'est un truc qui commençait à aller un peu. Mais après, ils ont su stopper le truc. Tu vois? Eric Patron sait qu'ils l'ont beaucoup accusé à Bidien ici. Voilà. Mais c'est Joss Medios. Moi, je te dis, c'est Joss Medios, c'est pas quelqu'un. Joss Medios. Tu vois? Donc, ça te dit que c'est quelqu'un. Non, mais en fait, moi j'ignorais tout ça de lui, tu vois. Mais et puis, en fait, je te fais des confidences. Quand on travaille ensemble, il envoie des mails à l'ambassade. Il appelle les gens de l'ambassade.
Non. Il y a eu par exemple le concert de Yodé Siro que Cheikh Djabi avait fait. Joss a fait tout pour ne pas que les gars aient le visa. Et Yodé Siro, ils sont au courant de ça? Bah. Mais je pense que oui. Voilà, parce que, t'inquiète pas, les jeunes commencent à savoir beaucoup de choses. Tu vois? Il y a eu le truc de Pat Sako et Valérie, Espoir 2000. Cheikh Djabi encore. Il était en bas de ça encore. Cheikh Djabi a fallu le taper. Cheikh Djabi l'a appelé. Il m'a appelé moi. Comme il sait que c'est ça qui me respecte. Moi, il a appelé Cheikh Djabi. J'essaie d'apaiser un peu. Siro a fallu le taper. Siro m'a appelé. J'ai calmé Siro aussi. Arrête. Moi, je dis. Ils savent que ce qu'il dit, c'est la vérité. Il envoie des mails aux gens. Il dit, mais Joss, tu fais ça pourquoi? Il dit non, c'est ça le showbiz. Il dit non, je suis désolé. Quand tu dis que tu es fort là, tu laisses tout le monde travailler. C'est comme au Mille Maquis, à la rue Princesse. Comment est-ce chacun a son bata. Chacun a son bata. Mais celui qui toquait là, on sait c'est qui toquait. Mais si tu as gagné un équec même là, tu vas amener ça là. Tu dis Alhamdoulilah. Oui, bien sûr. Moi, j'ai commencé à voir la personne. Tu vois, on est assis comme ça. On est assis comme ça. Toi, tu peux tenter de venir, Ramzi. Tu as tenté de venir quand on est assis. Tu vas commencer. Oh, Ramzi, oh, petit là, c'est un petit comme ça, machin. Tu n'as pas quoi arriver. Hein. Non, c'est un petit maudit, petit là, de quoi, quoi, quoi. Mais dès que tu arrives, Ramzi, machin. Mais c'est quand même rose à la main. Donc, moi, ça dit, j'ai commencé à connaître l'élément. Tu vois. Et donc, quand le truc est arrivé, je lui ai dit, je lui écoute, du boulot. Commence pas à faire des trucs bizarres, Simon. Ah oui, par exemple, moi, je suis un blackis. Je salue tous les blackis de Kumasi. La famille. Voilà, la famille. La famille de Diakona. Voilà, président Madi, Mouzin, Kalilou, hey, tout le monde, Yahoo. Voilà, ça qui l'avait dit. Donc, il moi, c'est un blanc qui s'est dit, moi, on va faire ça à moi. Voilà, pas moi, ma route est longue. Si tu commences à me faire comme truc là, pas moi, on va aller dans la boue. C'est laisse en même. Non, là, il m'amusait. Il a appelé Abidjan, son neveu. Ouais, dans non, il est sorti de la sauter, machin. Ton ami, il ne connaît pas, il a bengué. Putain, petit là même là. Joss voulait le faire venir. Comme ça, donc, il a dit, mais moi, il ne voit pas c'est quel intérêt il va nous apporter. Ton neveu, il va nous apporter quel intérêt. Ouais, moi, je sais pas. Parce qu'on veut faire venir des artistes. Toi, tu t'as habitué à aller monter la tête des gens. Son neveu, là, il sait. Moi, il ne ment pas. Joss lui a dit. Joss lui a dit, ah, appelle Daoulan, tu as parlé de Daoulan. Il m'a appelé. Il a dit, non, pour l'instant, là. La structure vient de démarrer. Tu comprends bien, non? Voilà, la suite vient de démarrer. Et dans le temps, il avait pris même crédit 6500 euros à mon oncle pour le premier concert. Ange Baka et tous sont témoins de ça. Il y a des dettes que je n'ai pas encore épongées. Donc, ton neveu, ce n'est pas une priorité. Au contraire, ton neveu est à Abidjan, ça a devenu chargé pour nous tous. Attends, on va faire petit jeton. Après, le neveu, pas derrière. On appelle son neveu, il envoie, que, bon, il a cherché d'avoir l'argent, il l'a souhaité. Son neveu qui s'en envoie ça à mon padoir. Chez Vester, que Joss même appelle Vester, pour que Vester me calme. Vester l'a connu Joss aussi, parce que Joss après, il a voulu monter contre moi. Mon ami, c'est qui était loin, lui. C'est lui qui m'envoie le truc par inbox. Il envoie ça à sa femme. Inbox. Il dit, dis à ton mari, Nakas est calmé. Tout ce qu'il dit là, il y a des preuves, mon téléphone. Nakas, arrêtez ça. Il m'a appelé, non, c'est pas moi. Machin, c'est parce que le petit, moi, il lui a dit que non, toi, mon enfant fou. Maintenant, comme l'enfant, tu vois, lui, il est dans son délire de fan de Joss, mais Joss, moi, je suis son oncle. Donc, il dit, Joss, arrête. Parce que ce que tu as commencé là, c'est pas bon. Arrête. Il continue à me démigrer avec sa vie. Moi, dans le temps, il y a eu des problèmes avec la justice parce que vu qu'il a fait la prison. Tu vois, donc, dans le temps, pour me délivrer mon titre de chez vous, ils m'ont fait galérer, tu m'as mis sa fille. On m'a donné un titre. Qui ne m'autorisait pas à sortir du territoire. Tu vois, tout ça pour me casser le cul. Ouais, c'est ça. Joss allait s'asseoir partout dans les maquis, il est parti chez Kikis. Les Cabamignons, les Magies, les Cheikh Djabi sont assis. C'est-à-dire partout, les gars me connaissent, allez, mais Philippe, on dit, oh là, vous voyez qu'il n'a pas papier. Son cabas, il a fait là. Il n'a pas qu'il dans la Bidjan. Il n'a pas papier, vous n'avez pas vu son père mort derrière lui, il est parti à Bidjan. Il a commencé tout ça. Mais le comble, c'est qui a créé le comble, le bambin, le comble. Non, c'est tout ça là. Il t'explique. Oui, c'est pour aller dans le détail. C'est comme ça. C'est comme Tchep. Tchep là, quand il faut mettre tous les clés là, il est là.
Voilà, c'est ça qui fait chef, c'est ça qui fait doux. Ouais. Le comble, il appelle ma femme qui est mariée légalement. Ta femme là, je l'ai connue, en fait on va dire c'est son neveu Brice Kwadjo qui m'a présenté à la fille comme sa cousine. Et Joss m'a dit que c'est ta nièce. Donc la fille, ça disait, moi j'espère me repencher. Donc elle dit, elle veut voir d'abord. Oui, son père l'a dit même, elle dit, elle voit écrire les morts, elle voit comment ça y est. Il s'est cassé en change. Non, oui, Facebook. Avec que Moro, c'est un aboué. Oui, non, la go a kiffé. Donc elle a connu la go, elle est blanche. Sa maman est normande. Et son papa est Agni. Et son papa a eu deux enfants. Je crois avec une des grandes soeurs de Joss, je sais pas quoi, tu vois. On lui a dit, c'est sa nièce. Bon. On ne voit pas trop l'alliance hein, qu'il y a. Allez, tu vois. Voilà. Ouais. Je ne vois pas trop l'alliance qu'il y a. Mais il dit, c'est sa nièce. Moi, ce qu'il appelle nièce, là. Moi. C'est l'enfant de ta sœur. Mais quelque chose, on dit que non, que c'est sa nièce. Moi, c'est le. Tu sais, j'aime ça, les titres qu'on a, sa nièce. La goût, elle et moi, c'est mis ensemble. Dieu, c'est moi, donc, bon, bon. Ça a quoi à voir avec ma vie? Ma vie. J'appelle ma femme, elle qui suis mariée légalement. En France, là, c'est la femme qui va la préfecture, elle. Et puis, elle dit, oui, quand je dors, vous caressez bien mes cheveux. Même quand j'ai des mal au dos, il masque bien. Si elle dit non, quand il dort, il est là, il lâche, il fait des trucs bizarres. Non, ton papa est en danger. Et il sait ça. Et pendant que moi, la procédure, j'ai gagné la majorité de mes procès. Joss appelle cette dernière-là. Joss qui appelle ma femme avec qui je suis marié légalement. Elle est moi en tête bien. Hein? Un enfant avec elle, tout tranquille. C'est vrai qu'on avait nos petites. Discours, des foyers, comme tout le monde, tu vois un peu où. Joss l'appelle. Pour lui dire quoi? T'es dans ton mari là. Quand souvent il est là, il dit non qu'il va tourner avec les artistes qu'on fait venir, il ment. Il doit sa maîtresse. Ah bon? Voilà où la go habite. Mais ça sert à quoi avoir avec le showbiz? Voilà, justement, moi, je veux que cette question-là, si tu pouvais lui poser ça comme ça, puis les comprendre. Pour répondre, ça me fait plaisir. Parce que moi, je vois pas les rapports. Que non, il ment. Voilà, il sort avec tel go, il sort avec telle fille, machin. Va dans ses contacts Facebook là. Tu vas voir, la fille. La fille s'appelle comme si. Voilà, et la fille, elle avait reçu à pirater mon Facebook. Tu vois? Elle a même piraté mes contacts. Donc, elle appelle la majeure de mes. Linda Lindsay, elle a appelé. Pour faire des histoires avec Linda. Après, ça rend compte que Linda Lindsay, c'est ma soeur. C'est quelqu'un de gentil. Elle a appelé pas mal de mes camarades. Joss qui en bas de ça. La go et moi. Bang bang. Ago m'a mis fou. Elle m'a chassé. Ah bon? Elle m'a chassé. Moi, je t'ai dit la vérité. Elle m'a mis fou de la maison. Elle m'a chassé. Moi, c'est pas comme. J'ai pas dormi comme Tom Sawyer. Il n'a pas mis, il n'y a pas trop ab. Donc, tu m'as chassé. Allez où ça? Et allez, déjà, c'est une chrétienne qu'on dit que c'est ma maîtresse là. Il m'a dormi là-bas. Ouais. Parce qu'il ne veut pas aller dormir chez mon oncle, chez mon cousin. Non. C'est trop grand pour ça. Donc, allez me mettre là-bas, en spi. Je repartis sur une nouvelle base. Je ne crée pas mon backup. Puis, gagne un temps. J'ai pris un mec qu'on appelle le garage. Quand Joss a su que j'ai fait la dédicace de Andy la boîte noire le 1er janvier 2017. Là-bas, le mur s'est cassé. Ils ont réparé les gens. On va leur remplir l'animal. Tellement c'est. Oui! Il est devenu fou, le vieux sorcier. Mais ma femme. Il t'a dit, lui là! Il t'a dit, tu vas te le laisser comme ça! Voilà où il dort! Il donne l'adresse à Joss. Et puis, en 2015, le fait pas la blonde, lui. Il faut les réveiller, ça. Elles sont passées là. Ils vont les mettre en prison. Ah! Il était juste sur la tête de mes enfants. Qu'est-ce que Daro l'agent a bien pu faire à Joss Mendios? La go m'a convoqué, elle allait porter une plainte au commissariat de 15 amendements. Magès, Daro, une Magès premier, elle était témoin. Parce que le jour-là, je me rappelle très bien, la veille, il avait fait le concert d'Abou Tourous. Donc, comme c'est Magès en temps qui me livrait les boissons, tu vois, donc il fallait que je lui remette le reste, c'est sourd, tu vois. Donc, je lui ai dit, oh, écoute, moi, je pars à la maison, puis j'ai rendez-vous au commissariat de 15e, donc trouve-moi là-bas.
m'a dit, ok, il n'y a pas de souci. Par lui, il partait faire ses encaissements. Mm-hmm. Il m'a dit, Inch'Allah, la police, j'ai répondu. La voix a voulu me compliquer. Que ouais, moi, je sors avec comme ça. Parce que, tu sais, en France, la polygamie, c'est interdit. Mm-hmm. J'ai répondu à ma convocation tranquillement. Elle a envoyé les photos de ce qui s'est passé en 2015. Elle a tout gardé. Joss l'a pompé. J'ai dit, c'est au vieux père Sambert. Sambert l'a appelé. Et lui-même, quelque chose a fait des showbiz. Mais Joss, comment tu vas appeler sa femme pour dire à sa femme qu'elle n'a qu'à aller gâter ses papiers? Joss, on a mis ça pour des papiers. Il dit non, que parce que moi, j'ai dit à sa femme qu'ils ont cherché la guerre, non? Que Joss a cherché la guerre, non? Donc, ils vont voir. Mais lui, effectivement, il dit ça à sa femme parce qu'il a fait une confidence concernant Donald Tia. Donald Tia qui se confie à moi. Il sait que Joss et moi, on est en histoire. Il se confie à moi parce qu'il n'y a plus de structure là. Parce que moi, il dit que si moi, je n'ai pas risqué ma vie pour investir dans Joss Mignon Production, ce qui va faire ça, ça a marché. Mais si j'ai risqué ma vie, et sachant qu'il était une fois en prison, et lui m'a pas envoyé 5 francs, Dieu va me dire, envoie. Dieu va faire le palabre. Joss Mignon ne parle pas. Donc Joss allait voir Donald Tia pour que Donald Tia mette le petit dernier sur sa structure, mm-hmm. qu'il a le visa. C'était le mois de décembre 2016. J'ai bonne mémoire. Décembre 2016. Effectivement, Denis rentre, il a le visa. Mais pas derrière, Joss a entorpillé les artistes de Donald. Pourquoi? Parce que, comme lui, pas derrière, il allait toucher quelqu'un pour que la personne intervienne, pour que Donald ait le visa. Donc lui, il veut s'imposer. Comme façon, il a fait pour ça, il veut s'imposer. Que non, les artistes, s'il vient sur Donald, tout avec les artistes, lui, il a bien un tel pourcentage. Il a dit non. Mais moi, déjà, je rends un service. Je vais faire le visa à la petite Denis. Donc, moi, tu laisses mes artistes en paix. Mm-hmm. Donc, il a fait que les artistes de Donald n'ont pas eu visa. Petit Denis a eu visa. Et comme c'est un sorcier qui se réjouit du mal qu'il fait aux gens, il va s'asseoir avec DJ Brico. Pas DJ Brico de la Dream Team, DJ Brico qui avait chanté. Avec Duxana. Avec Duxana, voilà. Ah bon, mon ami DJ Brico. Voilà. Brickson, je te salue au passage, mon frère. On dit, on t'a expliqué les choses. Je viens là-bas, tu vas m'expliquer les trucs. Il va s'asseoir à DJ Brico et il explique ça à DJ Brico. DJ Brico qui prend contact avec Donald Tia. Qui explique ça à Donald Tia. Donald Tia maintenant qui m'appelle. Sachant que moi, ici, en délaquois, Joss. Ah, mais ton vieux là, il ne va pas changer sa soufflerie là. Pourquoi? Mais voilà ce qu'il vient de me faire. Il dit, ah! En t'étant sa femme, elle est en contact avec moi. Non, moi, je lui explique ça. Ton mari. Je ne sais pas comment tu vas lui parler, mais ton mec n'est pas fatigué. À chaque fois c'est lui. Mm-hmm. Et puis il ment. Quand il ment, il dit juste mon avion. L'avion, le lit, tu as roulé toi seul. Mais il y a les gens dedans, donc j'ai science. Mm-hmm. Mais le lit, tu as pris un volant d'avion toi seul. Là. Tu n'as pas les kebabs. Tu dis boum, c'est fini. Bah, tu mens. Donc voilà comment moi, il dit à sa femme. Mais Denis a le visa là. Il n'est pas venu en France. Hein. Il n'y a pas là où bébé l'avion. Mm-hmm. Décembre là. Donald Tia, ses artistes n'ont pas eu. Ok, lui, Denis a eu visa grâce à lui, sa structure. Tu as gâté pour lui. Denis n'a pas eu l'argent pour payer bien l'avion. Il n'est pas venu, visa est mort dans sa main. Et Dieu, l'assemblée n'est pas fermée. Tu vois un peu, non? Mm-hmm. Vraiment. Mesdames et messieurs, c'est chaud ici. Plage musicale, on est avec Dao L'Argent, grand promoteur de spectacles à Paris. Plage musicale et on revient. C'est le Farafa, toujours. Mesdames et messieurs, nous sommes de retour après une très belle plage musicale. Alors, Dao, tu, oui, c'est vrai que tu as expliqué certaines choses qu'il a fait à M. Donald Tia et tout ça. Mais tu as expliqué avant ça que tu avais appelé Sambert. Tu avais appelé Sambert. Ouais, vieux père. Baudet, Sambert. Mm-hmm. Salut. À Dubazaï. Mm-hmm. Ouais. Mm-hmm. Donc, quand il a appelé Sambert, j'ai dit ça à Sambert, tu vois. Donc, c'est comme ça, j'ai dit à Sambert que, en fait, voilà le pourquoi. J'ai dit à sa femme que, comme vous avez commencé, mm-hmm. voilà, tu vois, parce que moi je lui fais confiance, mm-hmm. je lui explique des choses. Et Donald Tia qui me dit non, faut pas, et puis elle s'en expliquait. Denis n'a pas eu besoin dans ça là, jusqu'à Denis est resté à Bidjan. Tu comprends un peu? Mm-hmm. Donc, moi pour moi, en fait ça m'a dépassé de mes sandales. Un moment de showbiz, j'ai dû te rappeler, est-ce que c'est pas là? Non, de toi à moi, est-ce que c'est pas là? C'est pas là. Il y a des services que nous on a rendus à certaines personnes, qu'après même si le gars il retourne sa veste, mais tu le laisses. C'est ses problèmes. Non, mais je sais pas, tu le laisses, c'est ses problèmes. Tu l'as rendu service.
Après, il n'est pas reconnaissant, mais tu t'en fous. Mm-hmm. Tu avances. Ouais. Mais qu'est-ce que tu as à vouloir me niquer ma vie, me pourrir la vie, sachant très bien que moi, il y a une famille toute entière qui est derrière moi. Tu sais que moi, je suis un pilier de ma famille. Et tu veux me nuire jusqu'à ce point, non, qu'à casser mes papiers. Mais sans papiers en France, maintenant, moi. Mais oui, mais. Tu n'es pas chez toi. Tu as fait quoi? Tu peux pas travailler, tu peux rien faire. Même si tu allais voler, même que tu as eu 100 000 euros, tu peux rien faire. Parce que tu as envoyé à Abidjan. Abidjan, lui, tu as venu trouver là. C'est cabane de Tarzan va te montrer. Bien sûr. Mais quand tu as pas faux là, ça te permet de venir investir au pays. Parce qu'en Europe aussi, si, tu peux pas aller mettre 15 000 euros quand c'est un compte. Non, c'est impossible. Tu as sorti l'argent ou ça. C'est beaucoup de choses, tu vois. Et toi, tu vas aller gâter mes papiers. Joss. Je t'ai fait quoi? La même chose que tu as fait à l'Uzo Messiné, la galérie. L'Uzo Messiné était parti en France. Dis plus. Joss a enlevé le nom de l'Uzo Messiné. L'Uzo Messiné est au courant de ça? Ben oui, ça, tout le monde a parlé de ça. Mm-hmm. Il a enlevé le nom de l'Uzo Messiné. Pourquoi? Parce que en ce moment, Charles Boli me faisait confiance. Mm-hmm. Charles Boli, tu penses que c'est quel artiste on peut faire venir Dja Foul? Pas comme lui, il tourne partout. Mm-hmm. Tu vois, non? Non, mais ça, vous m'avez repéré. Les mercenaires, machin et tout. Mais quand on parle de le faire venir en Moïse, tu vois, le lead là, il y a l'Uzo Mercenaire dedans. Il dit non, c'est un petit maudit. Oui, il y a l'Uzo et Pierre, pas où. Voilà. Non, l'Uzo, c'est un petit maudit. Machin et tout. C'est bon, et ça là, ça voulait devenir Ramba. Ça voulait devenir Ramba parce que quand Chora a eu sa structure, il y a quelqu'un qui a eu besoin comme ça de Poutou. Mm-hmm, Poutou, ouais. Mercenaire, tu vois. Poutou, mercenaire. Voilà. Chora, c'est le vieux père de choses, de l'Uzo. Mm-hmm. Et Joss, il avait dit, ah, qui comme tel mort, il dit non, qu'il veut tout par rapport au truc machin et tout. Chora, je dis, mais oh, pour tout, moi aussi, il y a une histoire pour tout. Parce que l'Uzo, mais ça, t'as rien fait à la base. Mais Charles Boudi, tu as fait tout jusqu'à chambouler en leçon. Tu vois? Et pour tout, si je peux dire que j'ai fait pareil. Mm-hmm. Mais Joss, comme pour tout, c'est un gars de soyez fiers. Et c'est un artiste. Ils ont bien négligé par rapport à une prestation. Je ne vais pas m'opposer à ça. Je suis Raphaël, le papier de Poutou. Poutou, le visage, il est venu. Il y a d'autres personnes encore qui ont eu besoin de l'Uzo Mercenaire, comme Dieu ne doit pas. Je suis Raphaël, en ce moment, son gars de confiance, c'est Joss. Mm-hmm. Joss envoie le nom de l'Uzo Mercenaire à l'état civil. Baté Djedjé, lui, il envoie le nom de l'Uzo Mercenaire à l'état civil à l'ambassade. Au gars de l'ambassade, ça s'appelle Djedjé. Pour dire, lui, là, pas quelqu'un de crédible. Qu'est-ce qu'il vient, il va venir caler. Quand Dieu donné qui appelle Chora, il dit, mais c'est qui battait Dieu, lui? Parce qu'on dit que non, lui, il ne va pas revenir. Chora dit, mais c'est l'Uzo Mercenaire. Pourquoi? L'Uzo, ils sont déjà venus en France, ils sont retenus. Mais c'est un artiste qui est fait venir, qui est retenu. Et qui est resté. Il dit, non, alors, tous les artistes qui sont fait venir sont retenus. Il dit, non, c'est Joss qui m'a envoyé le nom. Et il a fait capture de camp. Mm-hmm. Il l'a envoyé. Il a le numéro de Joss. Il est en France. Ils sont libérés, mais ça se dirait très change. C'est comme épée de Dantayan. Lui, il ne laisse pas. Il a envoyé ça. Il dit, tu vois, mais moi, tu dis, ce que Joss fait. L'Uzo a fait quoi, Joss? L'Uzo a fait quelque chose. Et lui, c'est lui le gourou. Lui, là, tu ne passes pas par lui, là. Il dit qu'à la porte, il ne rentre pas. C'est tout. Dieu merci. Lui, il a son visa. Il est venu, il a fait sa prestation qu'il pouvait faire. Il est retourné. Après ça, d'autres personnes qui ont eu besoin de lui, ils ont fait appel, ainsi de suite. Mm-hmm. Tu vois? Donc moi, non, attends. Tu n'as pas l'intérêt dans ma vie privée à aller gâter mes papiers, c'est pourquoi? Non, de toi, on m'a dit, moi, c'est pourquoi? Non, c'est pas normal. C'est pas normal. Donc voilà, à partir de là, il dit, bon, ok. Mais ça, c'était là, on va parler comme ça. En tout être humain, il y a un côté animal, comme tu as dit. Mm-hmm. Tout le monde peut être méchant. Tout le monde peut être méchant. Nous, en science, là, c'est pas parce que on n'a pas peur de quelque chose. Mm-hmm. Mais en science, ça a beaucoup de choses. Et on sait que c'est pas une bonne chose. Voilà, justement. Ah, oui. Mais lui, il fait. Et il continue de faire. Et puis, il se réjouit de ça. Il tape sa poitrine. Il dit, ok, il n'y a pas de la foule. Comme il veut qu'on marche comme ça. Moi, m'a toujours dit, pour vaincre, celui
qui te prend comme ennemi, quand on va appeler ennemi, parce qu'il te combat, non, tu le combats, pour marcher sur ses traces. Tu comprends un peu ce que je dis? Je vois. Il dit bon, ok. J'ai porté la caméra de Dios là pour voir comment ça y est. Donc toi aussi, tu as commencé à topier les gens? Non, non, pas topier les gens. Mais moi, en fait, parce que tous ceux à qui il a fait du mal, ils se sont. Non, moi, laisse-moi Dieu. Laisse-moi Dieu. Mais figure-toi que Shura, lui, Shura, c'est venu à Tchétchénie après, non? C'est là maintenant on va commencer à savoir. Shura va commencer à nous dire des choses, nous montrer le mandat. Quelqu'un il signait un cachet avec un artiste. La part de Joss qui donnait. Comment Joss l'a monté contre nous. Comment Joss a monté contre nous. Ça, c'est une autre facette de Joss, mais Joss que tu entends. Mais je te dis, comme la ça, vérité. Hein. Quand Shura a vu ça, mais c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Shura m'a appelé s'excuser. Il a appelé Bino s'excuser. Joss a dit à Lolo Beauté d'insulter moi, ma maman, mes grands-parents sur les réseaux sociaux. Lolo Beauté. La même Lolo Beauté là. Bah oui, Lolo Beauté l'a fait. Elle a fait une vidéo. J'ai la vidéo aussi et il y a des gens qui savent ça. La vidéo a fait au moins peut-être 15-20 minutes. Après l'enlever parce qu'elle était étonnée que tout le monde a commencé à l'appeler. Kaba Mignon, Bas Blanche, tous les gens commencent à l'appeler. Hey, je connais pas la vérité dans l'enfance ici. Tout ça, tu sais pourquoi il a fait ça? Pourquoi? Parce qu'il y avait un concert que Curiol, l'enfant Curiol avait organisé, le cataclysme des patrons. Et le jour-là, il y a un membre de patron, justement, qui n'a pas eu de visa. Clemenceau. Clemenceau, ouais, Clemenceau. Clemenceau n'a pas eu de visa. Et Joss a dit, allô le Beauté, que c'est moi qui ai appelé l'ambassade pour dire non que Clément, s'il vient, il va rester. Pour niquer le concert à Curiol. Curiol, qu'on se connaît très bien, on a un très bon rapport. Hein. Il y a comme il est fort hein, dans sa soulerie. Hein. Après, il a accusé Vino Patron. Comme lui n'est plus avec ses gars, donc il est passé pour les torpiller. Voilà. Après, il a accusé Vino Patron. Tu vois. Curiol s'est rendu à l'ambassade. Il est allé. Il a demandé une audience. Avec le consul de tout. Voilà. Le consul lui explique qu'il dit non. C'est pas. Ta licence n'a pas de problème. Mais on a vu que c'est. On a vu Kiss Production et Joss mais Joss Production. On ne veut plus voir ces points. L'ambassade ici. Il est fiché. Mais ça coûte ça. Nous, on t'a refusé le visa. Et tu ne crois pas. Refait une nouvelle demande. Enlève. Tout ce qu'il y a Joss Mundios là-dessus, moi donne le visa. Et pourquoi? Non, parce que c'est quelqu'un qui a passé son temps à salir les autres artistes. Souvent il dit non, lui, là, c'est pas un artiste. Ou même s'il va, il va rester. Mais quand la personne va, il revient. Et plusieurs cas comme ça. Et c'est toujours lui. Non, ils ont vu que mais le plus mauvais, mais c'est lui là. Parce que tous les gars qui disent non, que pourquoi donner le visa, pourquoi faire comme ça, pourquoi faire comme ça. Mais, alors, les gars que, sont non, réglo. Les gars sont réglo. Non, c'est comme là, lui-même là, ils l'ont fiché, Joss mon opposition. Mais moi, Curiel, là, il a dit des trucs tellement. Parce qu'il était fâché, parce qu'on lui a. Oui, mais Curiel me connaît. Ça veut dire que Joss est fort. Joss a reçu, à le faire douter de moi. Tu vois. Donc, quand Curiel est entré, il a appelé Serge Kamal, il a appelé Guillermo, pour qu'on se rencontre à la Porte d'Orléans. Moi, je suis allé parler à la Porte d'Orléans, un café et tout. Et c'est là. Curiel va venir d'Ao. J'ai appelé Serge Kama, que je salue, mon type. Serge Kama, j'ai appelé Serge Kama, et Guillaume Lano, et Dao. Vraiment, une main, j'ai la tape des pieds. C'est pour ça qu'il a envoyé les personnes que tu estimes, que tu respectes bien. Je ne connais pas loin. Je ne connais pas loin de toi. Non, j'ai eu à dire des saletés sur toi, moi, chien. C'est Joss Mundios, c'est intéressant à vous monter. Mais je suis allé à l'ambassade. On m'a dit que. Toi, tu n'as rien à voir dedans. Fido, pas ton n'a rien à voir dedans. Et le problème, c'est Joss. Joss, c'est fiché à l'ambassade. Hein. Les gens qui s'appellent n'ont pas. Il est fiché et puis il ne veut jamais avoir le visa. Dans toute l'ambassade de France. Avec son nom là. Ils l'ont fait comme. Jadis. Personne n'a non grata. Ils l'ont fait comme Al-Qaïda. Les blancs, ça m'a pas quand ils mettent ton nom quand ils appuient un petit bouton de verre. Ça va partout. Il est fiché.
Vino aussi, il a été voir Vino, il était sage, Couriol. Là, il s'excuse aussi à Vino. Il a dit à Joss, on dit de refaire le dossier. Donc, Joss me donne position. Je suis obligé d'amener, pas. Il dit s'il voit au Madame Visa. Le Joss s'est gâté, il est coach. Kino, il veut un replat. Pourquoi pas ne pas ni maintenant, non, c'est pas. C'est comme Ben Laden. Non, on va enlever ça. Non. Maman, c'est qu'il a montré à couvrir la paix. Mais est-ce qu'après Couriol, a refait le dossier en enlevant son nom et il a eu. Couriol a fait venir au moins plus de 15 personnes d'artistes traditionnels. Sans Joss mener la position. Ils ont validé le visa à tout le monde. Et jusqu'au du Couriol. Tout récemment, Couriol a fait pas qui nous. Il a fait Alan Bill, qu'on appelle Johnny John. Tout ça, c'est Couriol qui a fait ça. Pas qui nous. Chaque année, il fait ça. On donne. Quand ça va, pas. Oui, il va pas l'artiste. On donne le visa là. Comme tu vois, quand il y a Ramadan, on donne Nomi à Dieu, on n'aura rien. On donne le visa. Parce que oui, il n'y a pas Joss Medina dedans. Il ne veut plus voir ce nom-là. T'as coupé Jésus Sylvanus, ce nom-là. C'est poison. Il ne veut plus voir ça. Ça va. Mais lui est Couriol. C'est gâté. Couriol aussi, on va chercher à les rencontrer aussi. Parce que vraiment, apparemment, il y a trop de dogs sur Joss. Lui est Couriol, c'est gâté. Lui est Rambo Blekis, c'est gâté. Lui est Rambo, lui, il donne les noms. Non, mais il chance. Ouais, c'est un bras, il dit à bouffe. Monsieur Joss, mais Joss nous a dit dans le Fafa que lui, franchement, il ne sait pas ce qu'il a fait aux gens et tout le monde le déteste. Par exemple, il lui a dit, mais. Tu ne peux pas être la seule personne que tout le monde déteste. Il est fou, c'est un malade. C'est un grand malade. Il dit que voilà, tout le monde le déteste, les gens sont jaloux de lui. Jaloux de lui pourquoi? Il a quoi? Moi, je ne sais pas. Il a fait quoi? Joss n'a jamais organisé un seul spectacle en France. Joss n'a jamais organisé un spectacle en France. Joss a fait quoi? Il n'a rien fait. Moi, je te dis. Moi, je suis arrivé en France, j'ai vu. Dans le temps, moi, je n'ai pas parlé de Joss devant moi. Il a lancé Golo Gou à toi. Mais tu dis la vérité. Il lance gros coup à toi. Tu ne peux pas parler d'une chose, c'est au moins. Mais c'est arrivé en France. J'ai vu de ma propre Dieu. Ça ne m'a pas. Le désir quoi qu'a fait Joss, mais Joss. Il a su se faire un cadet d'adresse, un nom. Et dans les temps, les artistes, tout le monde venait à Bengue. Et quand ils venaient dormir avec eux, ils sont familiarisés et tout. Alors on peut dire que c'est mon nom, on peut dire que c'est pas mon nom, moi, il m'a été fermé. Et puis t'es fermé. Joss. C'est quelqu'un qui a travaillé dans le passé avec des grosses têtes. Et là, c'est-à-dire, il a fait la connaissance des policiers. Il a un bon carnet d'adresse. Ça, je n'ai pas là-dessus. Mais il n'a pas su. Il n'a pas su utiliser ça. Il n'a pas su utiliser ça. Il s'est limité à l'alcool, venir à pitcher, dénigrer les gens, s'occuper de la vie des autres. Point. Voilà. Aujourd'hui, là, il y a les gars du showbiz aujourd'hui, là, qui peuvent s'installer en Europe. Mais il y en a qui sont ici au Bled. Mais j'en ai pas une place. Il y en a plein. Et aujourd'hui, il prend contre concurrence Angelo Kabila. Président. Ah bon, il se prend. Ah bon? Président, il appelle président Angelo Kabila. Respect, président. Aimé Zébier. Président, respect. Ça, c'est un petit bâti. C'est les Abdibaté. Tu cries, tu meurs. Il va mettre de Bordeaux. Respect. Ça, c'est les Abdibaté. Ça, tu veux dire. Il a rien pu là. Non. Ils ont fait la preuve. Ils ont été découverts par l'État. Ça m'a pas. Ah, mais c'est ça que la vérité. Moi, je suis entré dans le showbiz hier. Oui, il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui, tu prends le livre de Magic System. La biographie de Magic System. La page 137. Tu vois mon nom écrit dessus, là où l'argent. Il reconnaît en tant que promoteur de spectacle. Qui me parle lui de Maïs System. Angelo Kabila, Aimé Zébier, Marjolaine non sans état. Le livre que Guillaume Vegès, qui est quelqu'un qui est fort aussi comme format. Guillaume Vegès, intelligent. Le milliardaire, le Casper. Qui prend le livre. Maïs 137, mon nom est dedans. Angelo Kabila, il y a beaucoup de personnes. Moi, c'est un truc. C'est hier, yeah, c'est le travail que tu fais là, les actions que tu poules là, c'est ça qui fait qu'il. D'accord.
D'accord. Donc, à propos du travail, tu es à Abidjan, tu es venu chercher quoi à Abidjan ici? Je suis venu à Abidjan. Fatiguer les gens. On est dans Abidjan, vous venez encore. Hein, chercher nos go à Abidjan ici. Filme-le un peu, il est temps sapé. Filme-le un peu, on n'a pas le petit pantalon. Hein? On va citer la marque. Connaît Gaoupas. Hein? Il ne comprend pas, il montre, il ne comprend pas. Tout ça pour nous fatiguer dans ce pays. Hein? Tu es venu à Abidjan, c'est pourquoi? Bon, ça c'était pourri. Tu es venu pour investir dans quelque chose ou c'est juste pour. Ouais, il y a des projets. Je suis venu à Abidjan, il y a des projets comme tout le monde, comme tout bon aventurier, conscient, bien sûr, parce qu'il est inconscient. Voilà. As-tu parlé de qui? Non, il ne parle pas de quelqu'un. Il est plus dur que ces gens-là. Tu vois, il se ressaisisse quoi, tu vois. Voilà, il ne parle pas de quelqu'un. Voilà. Il ne parle pas de quelqu'un. Moi, le gars que je voulais mettre un peu au pas, il s'appelle Just Mendoz. Donc, donc lui aussi, il est parmi les inconscients. Quoi. Ah, non, lui, là, on a vu sa maison, hein. On allait faire le fa-fa dans une vraie maison, hein. C'est pas les. Oh, oh, hein. Vraie maison, hein. Ah, c'était où ça, les gars? C'était à Angry vers le château. C'est une vraie maison. Ouais, c'est résidence, mais sa maison. Ah, nous, on a vu une grosse villa, en tout cas. Ouais, mais c'est vous lui avez demandé si c'est sa maison. Demande-lui la question. Il nous a dit que c'est sa maison. Non, il ne peut jamais te dire que c'est sa maison. Il ne peut jamais te dire ça. Il doit se mettre la maison à Abidjan. Ça va dire, jamais te dit ça. À Paris même, à Romy, il était dans une maison. Bien, j'avoue que la maison était très belle. Oui, le palais dont il a parlé, là, il a dit qu'il était dans un palais là-bas, un manoir. Bon, manoir, après moi, je ne sais pas, c'est quoi, on avait un manoir, c'est un palais. Mais c'était une bonne maison, tu vois, là, bien. La maison, lui même sa propre maison, hein. Voilà. Non. Où il était là, c'est location là-dedans. Ils l'ont chassé, hein. Ils l'ont chassé. En passant, on balait là. Ils l'ont chassé. Madame, c'est son vieux père qui payait pour lui. Le vieux père série. Oui, toi, tu as tous les noms, tu as tous les. Oui, moi, il donne la précision. Il a fini prendre le vieux père série. Le vieux père série, il a fait bar. Mais un restaurant, il a épuisé sa femme pour la mettre là. Il allait dire à toute la ville que c'est pour lui le bar. Le père l'a fermé. Le père a fait une nouvelle licence. Il a mis Joss comme associé. Sans connaître trop d'études. Mais il a vu ce que Joss lui a montré. Joss est en train de sa famille. Il dit que ouais, le vieux père a eu son tel goût, tel goût. Ouais, le vieux père, ma chère, un petit. Tu vois, non? À qui il a confié les travaux. D'accord. Allez, tu vois, les travaux. Non, parce que Joss, c'est le petit qui travaille là-bas, il le connaît. Tu vois, Francky et autres, il le connaît. Moi, dans le nom, pas moi, c'est la vérité. Donc, quand il y a pot de peinture, deux pots de peinture, lui dit, il ne doit pas faire sept. La ville, elle a jeton. Donc, lui, il balaye là-dessus. Bon, le vieux, il a vu que c'était tout ça beaucoup. Mais la mienne, c'est bon petit. Là, ça s'appelle sa femme, le vieux père. Agnès, qui connaît très bien. Que non, ton vieux père serré là, le petit qui marche là. Voilà, il donne tel goût. Il sort tel goût. C'est des mensonges, tout ça là. Hein. Je sais pas, bon, d'accord. Donc, tu es venu. Moi, j'ai donné personne. Ok. Je suis venu à Abidjan pour mes projets, comme tout aventureux conscient. Voilà. Comme on dit, les murs des oreilles. Les projets, je vais les taire. Parce que, comme on dit de la vie, quand tu veux regarder le fond d'une bouteille, il faut fermer un œil. Quand tu veux regarder dans le fond d'une bouteille, il faut fermer un œil. Sinon, avec les deux yeux, tu peux rien voir. Voilà. Ça, c'est que ça, c'est un vieux village que tu as dans le dos. C'est mon grand-père. Ah, mais toi, tu sais que toi, tu es allé au village un peu. Non, moi, je suis jamais allé au village. Eh, mais ton grand-père, tu l'as découvert. Ou bien, il venait à Abidjan. Non, mon grand-père, c'est un bengis. Respect. Moi, mon grand-père, bon. Je n'ai plus de grand-père. paix à leurs âmes. Hein. Paix à leurs âmes, c'est ma grand-mère qui me reste, à qui je fais un bisou. Mon grand-père, lui qui m'a donné ça. Mon grand-père. Il dit quand tu veux aller dans la bouteille. Voilà. Il s'appelle M. Poissic Gouetio. Avec une sucène que je salue. Grand-père! Voilà. Grand-père, non, te salue. Hein. Voilà, ouais, d'accord. Voilà. Tu vois? D'accord. Donc, j'ai pu faire mes projets tranquillement. Je ne suis pas venu à Abidjan pour rien. En même temps, je suis venu voir ma mère, voilà, qui est un peu souffrante. Donc, je prie Allah subhanahu wa ta'ala, le Tout-Puissant, pour qu'il puisse redonner la santé. Je souhaite un point d'établissement. Voilà, merci, tu vois. Donc, je suis venu pour tout ça, tu vois. Et en même temps, ça coïncide avec la mort de notre cher frère Denis Champion. Donc, il fallait que je relance. Je reporte ma date de retour, justement parce que je n'ai pas assisté en fait au funérailles depuis Paris, parce que vu que j'étais à Abidjan. Organisé par Eric Sakhi. Justement, le président Eric Sakhi, son excellence,
Le Père Irisaki, c'est son excellence. Ah, son excellence. Voilà. Son excellence. Son excellence. Son excellence Irisaki, mm-hmm. voilà, président de l'AISB, voilà, une association qui a vu les jours, voilà. Mais il paraît que ça, c'était chaud avant qu'il soit président. Hein. Non. Il y a beaucoup de... Hein. C'était ouais. chaud, hein. Parce chaud à Paris, hein. Non, c'était pas chaud pour cette association-là, tu vois, parce que, en fait, il était dans une autre association, tu comprends mm-hmm. un peu, voilà, où, en fait, il avait posé sa candidature, justement, mm-hmm. mais après, il y a eu trop de choses, et encore qui était à la base de ça, c'est qui? Joss Majors. Encore lui? Lui, lui, c'est pas Colette. Ouais, on dit Colette, t'as mm-hmm. chié, lui, c'est pas Colette. Lui, c'est Doudou Amlan, gâté à venir de l'enfant de déjà. Qui a chié encore pour me dire. C'est lui-même, Doudou Amlan. Il gâte à venir de l'enfant de les gens. Lui, c'est pas Colette. Il allait gabiner là-bas encore. Le même Joss allait créer la tisanie. Donc, les gens se sont retirés. La plupart des gens qui avaient adhéré à cette association-là, ils sont retirés et tout. Donc, on a créé une autre association. Où il y a eu, en fait, un vote qui a opposé son cancer Ressaki, justement, à Cheikh Patatos. Mm-hmm. Voilà. Donc, Ressaki a été élu. À la suite de ça, aujourd'hui, il est le président de l'AISB, Association mm-hmm. Ivoire Showbiz Diaspo. Mm-hmm. Voilà. C'est une association culturelle nouvelle, mm-hmm. justement, voilà, qui réunit en fait, ça dit, tous les acteurs du showbiz, mm-hmm. de la diaspora mm-hmm. et toutes corporations confondues. Mm-hmm. Voilà. Donc, cette association dont je suis membre, mm-hmm. justement, nous sommes là aussi, c'est-à-dire, justement, pour essayer mm-hmm. de sceller, en fait, on va dire, c'est-à-dire, des partenariats avec les structures de l'État, mm-hmm. voilà, etc. Parce que l'association a vraiment, 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 c'est-à-dire beaucoup de chantiers. Mm-hmm. Voilà. Des chantiers que nous espérons, avec l'aide de Dieu, mm-hmm. voilà, les mettre en relief, pourquoi pas. Mm-hmm. Voilà, parce que c'est l'association vraiment qui réunit vraiment des grosses têtes. Mm-hmm. Voilà. Ange Bakar, mm-hmm. Mindale Lince, Psech Kama, Alain Guédé de Toulouse, comment on appelle, Doudou Sticker, mm-hmm. Vino l'ambassadeur, il y a pas mal de personnes. Bully Claude, même l'enfant curieux, il y a plein de grosses têtes, plein de personnes intelligentes dans cette association. Voilà, on a des projets justement, on a des projets que je suis venu en fait justement avec mes collègues qui sont là. Mm-hmm. Voilà, Eric Saki, le président qui est entré. Mm-hmm. Et il y a aux enfants aussi Balou, mon vieux père que je salue, mm-hmm. qui est là. Donc essayer de voir comment est-ce qu'on peut essayer de, voilà quoi, de tisser en fait des partenariats avec mm-hmm. cette structure ici. Et ensuite au niveau de la diaspora. Mm-hmm. Voilà, au niveau de l'Europe là-bas, on envisage, c'est-à-dire créer une licence. Mm-hmm. justement qui est important, mm-hmm. voilà, créer une mutuelle, voilà, pour tous les tenants de showbiz, mm-hmm. voilà, parce que ça n'a jamais existé, justement, nous, on a ce projet là dans nos chantiers, et on envisage aussi, c'est-à-dire, prendre une salle mm-hmm. de la culture au nom de la Côte d'Ivoire, pour des spectacles, une salle de la culture, c'est pas, parce qu'on est fatigué d'aller louer des salles un peu partout, n'est-ce pas, tu vois un peu de délire, voilà, une salle de la culture au nom de la Côte d'Ivoire, mm-hmm. la Côte d'Ivoire c'est un grand pays quand même, mm-hmm. voilà, je pense qu'il y a énormément d'artistes talentueux. Mmh, donc il faut qu'il y ait même la plate tout voilà, ça dit, justement. Donc africain. Nous, à travers cette association, on veut créer aussi, mmh. c'est-à-dire l'image, vraiment, comment on appelle, de la Côte d'Ivoire, tu vois, de la culture ivoirienne. Mmh. Voilà. Voilà. D'accord. Donc, et puis en plus de ça, vraiment, il y a un truc aussi qui est très important au niveau de la diaspora, que nous, on veut créer en fait. Tu vois, on veut créer une charte de bonne conduite, tu vois, à travers notre association-là. Ça, c'est très important. Ah oui, c'est très important parce que... Depuis répéter les scénarios, Joss voilà, Majors, non, voilà. Et puis, en fait, ça dit, il y a trop de cacophonie, en fait. Tu comprends un peu? Tu te rends compte que non, deux personnes, c'est-à-dire, ou même trois promoteurs, ils ont trois promoteurs ivoiriens, mm-hmm. ils ont trois spectacles le même jour. Oh, ouais, ça, les gens vont pas se diviser. Bien sûr. Voilà, donc, justement, à travers notre association, voilà, à travers notre association, avec une charte de bonne conduite, tu vois. Voilà, quand il y a de bonnes conduites, comme je disais, justement, et par la suite, c'est-à-dire créer en fait, comme on dit, c'est-à-dire créer une chronologie, justement, créer une chronologie, c'est-à-dire pour les activités, tu vois, de façon vraiment disciplinaire, mm-hmm. pour que les choses soient respectées, quoi. Mm-hmm. Tu comprends ce que je veux dire? On a beaucoup de projets, voilà. Les chantiers, on en a plein. Voilà, on a plein de chantiers. Donc, je fais partie de cette association-là. Mm-hmm. Chez moi, donc on est chez Vina Bignon, c'est pour tout ça. D'accord, super, voilà. super. Alors, moi, je voulais, moi j'ai une, on va dire, une avant-dernière question pour toi. Mm-hmm. Dis-moi, comment est-ce que le showbiz, bon, pas le showbiz, mais comment est-ce que la musique ivoirienne se comporte
en Europe? La musique ivoirienne dans son ensemble au niveau de l'Europe se porte très bien. Mm-hmm. Très très bien même, j'ai envie de dire ça. Mm-hmm. Voilà, parce que les artistes ivoiriens ils sont très talentueux. Mm-hmm. Voilà, justement. Donc je pense que c'est à nous. En fait, justement, c'est pour ça que cette association est créée. Mm-hmm. Voilà. Donc c'est à nous d'avoir une certaine entente entre nous, promoteurs culturels, mm-hmm. promoteurs de spectacles, tu vois, le tenancier de base, etc. Et tout. C'est nous, on doit donner la valeur à nos artistes. Tu comprends pas ce que je veux dire? Mm-hmm. Voilà, donc, il faut vraiment une certaine entente entre nous. Ah oui, tu vois, il faut une entente entre nous. Il faut qu'on s'accorde, justement, pour pouvoir aider ces artistes-là. Voilà. Mais tant qu'il y aura la zizanie entre nous, quand on va essayer, justement, ça dit, de régler le problème, tu vois, au niveau, au sein de notre association, tu vois, essayer de fédérer, s'entendre avec les gens et tout, tu vois. Mmh. Voilà, mais c'est un chose au point, je comprends un peu. Mmh. Voilà, mais tant que les choses vont se passer dans, je sais pas comment qualifier ça, c'est-à-dire dans la bagarre, dans la cacophonie. Mmh. Dans la mesquinerie. Voilà, dans la mesquinerie, dans le torpillage. Franchement, ouais. J'ai dit, ouais. Nous, on a tant de projets dans notre association. Ah oui, et on va le faire, parce que c'est pas n'importe qui est dans cette situation-là. Mmh. La Côte d'Ivoire au Zénith. Bah, t'as pas envie de voir ça? Tout le monde. On voit pour les Maliens, on voit pour les. Justement, et bon et ok, ça. Justement. Bon. Tu crois que nous, les Ivoiriens, on n'a pas cette force, on n'a pas cette capacité-là de faire la Côte d'Ivoire au Zénith? Non, ça, bien sûr ça, que c'est pas le vélo pour nous, ça, c'est rien. Justement, c'est rien. Bien organisé. Si c'est bien organisé. Mmh. Et pour être bien organisé, il faut quoi? Il faut une entente. Mmh. C'est ça ou pas? C'est ça. Justement. Voilà. Et l'AISB a été créé pour ça. Voilà, cette association-là, elle est faite pour ça. Donc, la Côte d'Ivoire Zénith, nous ferons la Côte d'Ivoire Zénith, Inch'Allah. Sinon, la musique ivoirienne se porte très bien. Et tellement elle se porte bien, et les autres, par les, je ne sais pas comment on dit là, c'est-à-dire, ils sont tellement aveuglés par la haine ou je ne sais pas quoi, qui est-ce qui les a fait quoi. Ils savent pas qu'ils sont en train de faire du mal, en fait, à la nation toute entière. Mm-hmm. Tu comprends pas ce que je dis? Voilà. Donc, nous, on va essayer d'appuyer un peu. Mm-hmm. C'est-à-dire les cœurs, justement. Pas bien de l'esprit. Et justement, j'ai envie de te dire que non. La dernière fois que j'ai fait Radio Côte d'Ivoire et tout, et là, je viens de faire votre émission, là. Mm-hmm. Les gens m'ont appelé, tu vois. Ils m'ont appelé justement pour essayer d'apaiser les esprits mm-hmm. par rapport à moi. Et Dios, mais Dios, tu vois. Moi, j'ai dit la vérité, ce que j'avais à dire. Mm-hmm. J'ai dit, ça, c'est la vérité, j'ai dit, tu vois. Mm-hmm. Moi, aujourd'hui, en tant qu'Ivoirien, et vu que même les comment on appelle, c'est-à-dire les autorités du pays, on a un processus de paix, mm-hmm. ils ont réussi à me convaincre, j'ai envie de dire comme ça, tu vois. Voilà. Là, aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est passé. Moi, je pense que j'ai fait ce qu'il y avait à faire. Voilà. Il m'a poussé à bout, mm-hmm. lui avec l'autre, moi j'ai fait avec sa femme, moi j'ai fait ce qu'il y avait à faire, point. Moi, je me suis vengé comme je pouvais. Ah oui, moi, je me suis vengé comme je pouvais, tu vois. Voilà. Et lui, il n'a pas digéré la chose comme moi, ça. Moi, il n'a pas été provoqué. Hein, non, il n'a pas digéré la chose comme ça, tu vois. Parce qu'il a même dit que non. Il a essayé d'appeler les gens pour qu'on me tue. Tu as vu ça? Bah oui. Pour qu'on me tue au niveau de la France, au niveau d'Abidjan. Il a appelé les gens, il a appelé Guess the Guess, les malades, il a essayé. Il a appelé le petit frère de Disserupadio, Serge, qui a chose qu'on appelle à La Rochelle. Mm-hmm. Que non, lui, il a essayé à Paris, les gars sont. Donc, il a même pas appelé quelqu'un que je connais. Et le gars est venu se confier. Il m'a fait écouter la conversation. Moi, je te dis, je te mens pas. Qu'il a pris que j'étais à Abidjan, que lui vient à Abidjan, il va me tuer. Il ne m'a pas tué en boulot. Tu vois, donc on peut avoir ce genre de choses. Voilà, justement, donc moi, voilà. Vraiment, tout ce que j'ai dit la vérité. Mm-hmm. Parce que depuis l'histoire de Just Mazat Dao, l'argent, moi, je n'ai pas encore parlé en tant que tel. L'année dernière, j'ai parlé vite fait dans les journaux, j'ai fait une interview vite fait, mais je n'ai pas encore expliqué parce que ça n'a pas cessé. Mm-hmm. Et là, il y a eu le truc avec sa femme, le truc mm-hmm. a capoté. Tu comprends mm-hmm. ce que je dis? Donc, les gens, ils ont réussi, en fait, c'est-à-dire. À me raisonner, tu vois, sans tous ces Ivoiriens. Mm-hmm. Moi, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai fait ce qu'il y avait à faire. Mm-hmm. Moi, aujourd'hui, j'ai décidé de faire profil bas. Mm-hmm. Tranquille, tu vois. Voilà. Mais je suis dans mon coin. Comme on dit, quand je te provoque, mm-hmm. tu es obligé de te défendre, tu vois. Ouais. Sinon, moi, aujourd'hui, c'est-à-dire, et puis par rapport à l'association aussi, mm-hmm. étant membre de cette association-là, tu mm-hmm. vois, c'est pas joli, en fait. Tu comprends un peu ce que je veux dire? Voilà. Parce que ça ne va pas avec. C'est-à-dire nos projets, mmh. tu vois, nos productions. Avec l'esprit du rassemblement. Voilà, justement, tu vois. Donc, en fait. Voilà, justement. Donc, moi, j'ai décidé de faire profil bas.
Ils m'ont appelé. Il faut mettre un peu d'eau dans ton verre. Non, il n'a pas mis un peu d'eau. Il a versé 20 là et puis il a mis l'eau sur mon verre. Voilà, j'ai mis l'eau seulement dans mon verre. Donc il y a un peu à 20 dans mon verre, mais c'est l'eau seulement qui est dans mon verre. T'as vu ou pas? Voilà. Donc sinon, la musique ivoirienne se porte très bien au niveau de l'Europe. Et nous, grâce à notre association, on compte encore, c'est-à-dire donner la valeur de cette musique-là, franchement, qui la mérite. Et on sait qu'on va y arriver, Inch'Allah. Super. Alors, Dao, l'entretien est fini. D'accord. Mais je viendrai à Paris pour qu'on continue le Fafa là-bas, parce que la deuxième partie, là, ça doit être à Paris. Donc je viendrai à Paris d'ici peu pour qu'on fasse le reste là-bas. Mais pour l'instant, la caméra est là. Mm-hmm. Lance l'appel que tu as envie de lancer, donne ton mot de fin et puis bon, on va y aller. Bon, boîte à faire aussi, on dit qu'il n'y a pas publicité. Moi, ce n'est pas publicité, moi, il parle de mon association. Hein. Non, pas de l'association, voilà. Mais tu es un membre moi, de l'association. Justement, moi, l'appel que je voulais lancer. Tu travailles pour le pays. Voilà. Tu travailles pour le pays. Voilà. L'appel que je voulais lancer, c'est-à-dire justement aux personnes de la diaspora qui n'hésitent pas à adhérer à cette association-là. L'AISP. Voilà, c'est une association qui réunit les grosses têtes du showbiz quand même. Ah oui, et l'association, c'est-à-dire, nous, on n'est pas là pour la concurrence. Nous, on travaille pour la Côte d'Ivoire. Voilà, on n'a aucun esprit de concurrence, nous. Voilà, nos projets, ils sont limpides comme de l'eau de roche. Adhérer à l'association, tranquillement, venez, on va travailler. Voilà, j'aimerais aussi, c'est-à-dire, justement, prier pour toutes ces personnes-là, vraiment, qui se retrouvent dans les hôpitaux, dans des situations vraiment très difficiles et tout, etc. Demander au bon Dieu vraiment qu'il apporte vraiment sa grâce, justement. Voilà, dire aux tous les noussis, et tous les blackies. Vous êtes là, moi, à commencer là-bas. Voilà. Mais c'est pas la blague. Grigasse. Voilà. Baissez pas les bras, les gars. Et surtout, mettez Dieu dans tout ce que vous faites. C'est très important. Voilà. Par moi, il fait mes trucs là. Mais moi, je peux la prière. Pareil, c'est la prière qui a fait que quand j'étais en prison, je n'ai pas été expulsé. Il n'y avait personne. Il était en 4000. La prière seule, ma mois de Ramadan, je les ai fait correctement. Ma prière, la prière qui a fait que je n'ai pas été expulsé. Aujourd'hui, je ne dis pas que savoir, mais je dis Alhamdoulilah. Voilà, donc franchement, mettez Dieu dans tout ce que vous faites. Soyez croyants, c'est très important. Mais en même temps, celui qui vous pouvoir, défendez-vous. Ne cherchez pas des histoires. Pardonnez une fois, deux fois, trois fois. Après, si ça devient trop compliqué, faites-vous penser à Pinocchio quand il mentait, son nez devenait long. Défendez-vous, on appelle ça la légitime défense. Daola, mesdames et messieurs, pour ceux qui ne le connaissaient pas, maintenant vous le connaissez. Voilà, désormais vous savez que dans le milieu du showbiz en Europe, le milieu du showbiz africain en Europe, il y a quelqu'un qu'on appelle Daola Jean qui travaille très fort, qui organise de gros spectacles, qui organise de grands événements sur Paris et tout. Voilà, bientôt ils vont inviter Ivoire TV Musique à venir couvrir des événements et tout ça. En tout cas, merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis. C'était Ramzi le Dinré en compagnie de Daola. Dao l'argent dit Daola. Ah, ah oui. C'est l'émission Fafa. Ramzi, hein. On est ensemble. Mettons là, fini lui et moi. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même antenne. Et suivez le canal 209 Ivoire TV Musique. C'est ça ou c'est pas ça? Oh, bon, alors, lui et moi, on fait ça maintenant de l'autre côté. C'est ça. Voilà. Zo. Merci la famille, que Dieu vous bénisse. On est ensemble. Fafa, toujours.